On va commencer, s'il vous plaît. Installez-vous, bonsoir. S'il vous plaît. Bonsoir à vous toutes et tous. Nous allons commencer donc ce conseil municipal. Je fais l'appel, Bruno Piéou présent, Michel Noailles, Martine Soavi, Oumar Dramé, Elsa Touré, Rénal Jourdain, Assadou Kouré a donné son pouvoir à Oumar Dramé, Frédéric Pio, Sophia Louz, Oscar Segura, Fadila Chourfi, à Frédéric Pio, Pierrick Gautreau, Italia Riggio, Sylvain Renard, Pascal Prigent, Hichem Boukouba, il arrive, c'est ça, Françoise Lopez, Clotaire Bonzi, Hélène Pavamani, Jacques Picard, Sylvie Dayani, Sylvie n'est pas arrivée, tiens, Monia Aïssa, Alamad Gélal, Hervé Jacques a donné son pouvoir à Martine Soavi, Francis Arnoux Laurent, Claire Jubin, Fatima Lallemand a donné son pouvoir à Sophia Louz, Maxime Podolac est présent, Clémence Bigarnet, je l'ai vue, elle revient. Benjamin Ledroux-Maguet a donné son pouvoir à Francis Arnoux Laurent, Jenna Kinkela, merci. Ahmed Kormatz, présent. Flore Droguet, donc le nouveau conseil municipal qu'on va installer, mais donc il n'est pas encore installé. Annie Malit, présente. Pascaline, présente. Frédéric Garcia est présente. Sylvie Capron est présente. Jean-François Bell va arriver un peu en retard. Éric Breton est présent, Samira Ketfi est présente, Alexandre Marin arrivera sûrement un peu en retard. Ou, non, il a donné son pouvoir à Animalite, c'est ça? En attendant, très bien. Régis Caudron est présent et Jean-Luc Raymond, je crois, est absent ce soir. Voilà pour l'appel des présents. Donc la séance est ouverte. Je propose Oscar Segura comme... secrétaire de séance. Attendez. Ah, oui, effectivement. Oui. C'est Samira qui a le pouvoir. Merci de Volcan et Cut. Merci à vous. Avant de commencer de faire approuver le compte-rendu du conseil municipal, deux premières informations. Je souhaitais, comme beaucoup d'élus parmi vous, dire un mot concernant le décès de Claude Veillé. Vous savez que Claude Veillé est malheureusement décédé il y a quelques jours. Il était agent municipal aux espaces verts, surtout reconnu et connu pour son engagement, donc près de 50 ans de sa vie à la GRS, à la gymnastique rythmique et sportive. Bénévole très actif, notamment lors du tournoi international d'EGR et au sein de l'association ASCE Gym Danse GR. Président d'honneur du tournoi jusqu'au 45e tournoi en 2019 et la maladie l'a empêché de participer au 46e et dernier tournoi. Claude Veillé était aussi bénévole également dans d'autres événements d'ampleur et autres organisations, donc le tournoi de gymnastique de Bercy, le comité départemental. Et vraiment, pour l'avoir aussi, comme beaucoup d'entre vous, l'avoir côtoyé, voilà un homme d'une humilité rare, discret, aussi discret qu'efficace, dévoué donc au sport et à Corbeil-Essonne. Je sais que son décès a profondément attristé l'ensemble du club d'EGR de Corbeil-Essonne.
Je voulais, en votre nom, je sais aussi, des élus de l'opposition, des élus de la majorité, Éric, on a échangé à ce sujet cet après-midi, ne pas commencer ce conseil sans honorer sa mémoire, saluer ses proches et sa famille, et vous proposer, comme il se doit, une minute de silence. Je vous remercie. Exceptionnellement, avant encore de commencer, nous avons reçu ce soir une délégation d'enseignants du lycée Doineau qui nous ont demandé, et nous avons accepté par l'intermédiaire de nos élus, notamment qui siègent au conseil d'administration du lycée, ont voulu nous interpeller sur le devenir de la filière technique professionnelle du lycée. Donc, on propose de leur donner la parole. Madame Lopez, si vous voulez prendre le micro, vous mettre dans la lumière et nous dire quelques mots. Merci d'être là. Très bien, moi je vous remercie pour cette invitation, de nous donner l'opportunité de porter cette parole. Donc, si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est parce que nous représentons les enseignants du lycée général et professionnel. Je me tiens devant vous pour dénoncer une réforme abjecte qui est en train d'être ficelée au sein de notre gouvernement. Une réforme qui ne respecte pas le pacte républicain, celui de l'égalité de tous nos élèves d'accéder à une éducation et à un savoir. Il se trouve que je suis professeure de lycée professionnel, professeure de lettres histoire et que j'ai choisi cette filière car je crois en nos élèves. Et là, on va leur enlever le choix d'accéder à des études supérieures, puisque le gouvernement compte augmenter le nombre de stages en entreprise dès septembre 2023. Et cela a un impact direct vers leur choix d'accéder à des études supérieures, car les disciplines générales et techniques vont diminuer drastiquement dès l'an prochain. Des postes vont être supprimés. Mais je ne viens pas là pour sauver nos postes. Je viens là pour dénoncer le fait que nos élèves n'auront plus ce choix. Ce sont des élèves déjà que nous accueillons car ils sont brisés par le système éducatif dès le collège. Le lycée professionnel leur permet de se reconstruire pendant 3 ans et de pouvoir accéder à un BTS pour la plupart, car les classes de BTS aujourd'hui représentent 50% de ces classes, des élèves proviennent de bac pro. Donc là, tout est remis en cause et une motion a été présentée au lycée, enfin au sein du conseil d'administration au lycée Robert Doineau. Je suis très émue parce que moi ça fait 12 ans que je suis enseignante et je n'accepte pas cette réforme. Je n'accepte pas que le gouvernement ne nous donne pas la parole. Nous sommes experts dans nos disciplines, nous connaissons nos élèves. Ils ont droit à cette chance, ils ont droit d'avoir cette culture générale, un esprit critique. Nous formons des citoyens en lycée professionnel. Nous formons des futurs salariés qui ont un savoir technique et une culture générale. Et aujourd'hui, les centres de formation en apprentissage répondent déjà à des élèves qui ont besoin d'accéder à un monde du travail plus rapidement. Donc les CFA existent déjà. Alors pourquoi, je vous pose la question, transformer les lycées professionnels en des CFA? Cette réforme va toucher pleinement des élèves de classe populaire et non pas des enfants de cadre qui ont toujours le choix d'accéder à un avenir meilleur. Donc là, il s'agit en tant que citoyen de se battre pour l'avenir de nos enfants. Donc je vais vous lire la motion qui a été présentée au lycée. Donc sous couvert d'autonomie renforcée, donc les grilles horaires disciplinaires nationales ne vont pas être respectées dès la rentrée 2023. Pour nous, chaque élève, peu importe son lieu de vie et de scolarité, doit bénéficier des mêmes horaires, de cours pour accéder à un même diplôme. Et tous les diplômes doivent être enseignés car elles jouent tous un rôle essentiel dans leur formation professionnelle et citoyenne. Et ici, je parle bien du CAP et du bac professionnel. Le cadre national des grilles horaires doit être maintenu et même renforcé pour garantir des diplômes nationaux assurant une qualification reconnue, ce qui est remis en cause dès septembre 2023 par la réforme du gouvernement.
Les fermetures et ouvertures de filières dans les établissements seraient décidées uniquement au prisme des besoins locaux de proximité, ce qui, pour nos élèves, va considérablement réduire leur choix de formation. Donc, en clair, nos élèves sont réduits à des prismes liés au capitalisme. Donc, les enseignants, seront sommés de se reconvertir. Aucune nouvelle réforme ne peut être mise en œuvre sans qu'un état des lieux rigoureux et objectif n'ait été préalablement réalisé en prenant en compte l'expertise des personnels. Les pseudo-concertations engagées depuis le 21 octobre traduisent une conception du dialogue social irrespectueuse des personnels et de leur organisation syndicale représentative. Bon, ces concertations se poursuivent actuellement, nous attendons leurs conclusions. Mais un seul objectif, c'est celui de détruire nos formations, nos métiers, nos statuts et nos lycées professionnels. Ce projet de réforme constitue un danger pour l'avenir des élèves et une véritable remise en cause d'un des piliers de l'école républicaine, l'égalité entre tous les jeunes. Alors j'ai bien conscience que parler devant vous ne va pas faire bousculer les choses, mais chaque enseignant, dans son rôle, essaie de faire bousculer les choses à son échelle en espérant que notre voix soit médiatisée, puisqu'aujourd'hui, on ne se préoccupe pas de nos élèves de lycée professionnel alors qu'ils représentent une grosse partie du pourcentage des élèves en France. Donc tout le monde a le droit à cette chance d'égalité des savoirs. Donc voilà pourquoi nous avons pris la parole aujourd'hui. Et mes collègues représentent le lycée général aussi. Et pour vous dire que tous les enseignants de n'importe quel concours, que ce soit des agrégés ou des certifiés, nous sommes tous d'accord sur un point. Il ne faut pas détruire le lycée professionnel. Très bien, je vous remercie de vous être déplacé et en tout cas l'ensemble de notre majorité municipale, peut-être l'opposition, c'est un sujet qui peut peut-être tous nous rassembler. Sachez que nous faisons nôtre cette motion. J'ai évoqué votre situation lors du conseil communautaire hier soir. Parfois on a des discours un peu généraux sur la jeunesse, mais quand on ne peut pas avoir des discours généreux sur la jeunesse et puis d'un même côté... empêcher des centaines de milliers de jeunes, je pense, en France, d'un parcours professionnel qui leur permet de réussir et de s'épanouir dans la vie. Donc, vous nous transmettrez par écrit la motion, puisqu'elle a un caractère officiel, et nous la transmettrons à qui de droit. Voilà. Je vous remercie. Merci. Donc, j'ai nommé un secrétaire de séance. Nous devons... on va commencer par cela. Approuver d'abord le compte-rendu du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques ? Non. Madame Garcia ? Juste vous faire part d'une observation après l'intervention de l'enseignante. Là. Je veux dire, il nous est difficile d'apprécier la situation parce qu'on a quelqu'un qui vient, qui intervient au sein du conseil... et qui nous dispense une bonne parole. Et comme on n'a pas la connaissance du dossier de la réforme envisagée et de savoir quelles sont exactement les incidences, parce qu'on n'est pas dedans, je veux dire, j'ai l'impression que c'est un peu un coup pour rien. Et surtout, j'ai le sentiment que c'était déjà très, très, très orienté politiquement, avec un discours néo-capitalisme et les enfants de cadre, eux, etc. C'est pas ça. Moi, je pense que c'est se préoccuper d'une filière technique où il faut que tout le monde ait sa chance... Et il ne faut pas en effet faire des élèves de seconde zone. Mais en même temps, les discours très, très, trop politiques me paraissent desservir une cause qui pourrait en effet fédérer tout le monde. Voilà. Merci. Donc, encore deux, trois informations. Donc, qui s'abstient sur le compte-rendu ? Vous abstenez, l'ensemble de l'opposition et le reste de la majorité est pour, personne n'est contre. Merci. Une information en application de l'article R181-44 du Code de l'environnement. Je vous informe que la préfecture de l'Essonne a pris le 28 octobre 2022 les arrêtés d'une part portant autorisation environnementale relative à la réalisation du premier data center du campus data village Paris-Essonne par la société LCP-FR-DC1 sur les communes du Coudray-Monceau et de Corbeil-Essonne et d'autre part relatif au tracé de moindre impact environnemental associé à l'exploitation de ce data center. Ces arrêtés vous seront communiqués par mail dans le courant de la semaine. Ils sont également consultables sur le site internet de la préfecture. Je vous informe aussi que les points 4.3, 4.4, 5.1, 6.2, 7.1, 9.3 et 10.2
sont retirés de l'ordre du jour de cette séance et seront étudiés lors de la séance suivante, le 8 février 2023. Non, j'ai dit 9, 3 et 10, 2. D'accord ? Je les répète, 4, 3, 4, 4, 5, 1, 6, 2, 7, 1, 9, 3 et 10, 2 sont retirés de l'ordre du jour de cette séance et seront étudiés le 8 février 2023. Qu'il vous est proposé d'ajouter, on la lira tout à l'heure, à l'ordre du jour du Conseil, un vœu sur le soutien au projet de la ligne S dans le cadre de la clause de revoyure du schéma directeur du RERD. Un exemplaire est sur votre table. Après avoir installé un nouveau conseil municipal, Jacques Picard nous donnera le contenu de cette motion. Donc, concernant le point 1.1, je regarde si c'était Sylvain ou moi, je ne sais pas. Je le fais avec Sylvain. Oui, c'est ça, oui. Donc, je vais désigner donc un nouveau membre du conseil municipal en notre enceinte, puisque nous avons reçu donc la démission de Diana De Santos, qu'on remercie pour son travail à nos côtés depuis le début de ce mandat. Et donc, dans l'ordre suivant de notre liste, j'appelle Jean-Marie Sirami, qu'on peut applaudir. Donc, l'arrivée parmi nous de Jean-Marie, qui nous fait chaud au cœur, citoyen de Corbeil-Essonnes à multiples casquettes, engagé sur de nombreux sujets, donc va donc nous rejoindre. Et nous avions prévu de donner une information, puisque nous avons installé ces derniers mois 3 nouveaux conseillers municipaux délégués. Et donc, l'occasion de donner les délégations qui ne sont pas soumises à un vote, mais à une information sur ce à quoi nos collègues vont travailler pour les 3 ans et demi que nous avons devant nous. Et donc, notez donc que, je vais d'ailleurs commencer par Jean-Marie, puisqu'il vient de nous rejoindre, Jean-Marie sera délégué à l'habitat insalubre, aux copropriétés, et à la condition animale, ce qui est une bonne nouvelle, puisque nous n'avions pas de délégation, et c'est un sujet qui a pris une toute autre importance ces dernières années, et donc Jean-Marie suivra aussi cette question. Voilà. Flore Droguet sera déléguée à la propreté urbaine. Ahmed Cormaz sera délégué à l'éclairage public et aux économies, on l'applaudit, tout le monde. Ahmed à l'éclairage public et aux économies d'énergie dans les espaces publics. Il collaborera aussi à l'ensemble du pôle qui travaille sur la propreté, les espaces publics, sur la question aussi des nuisibles. Et nous avons aussi de nouvelles nominations, répartitions de délégations qui concernent Fatima Lallemand, qui s'occupera en plus donc de l'accueil des nouveaux arrivants, de l'accompagnement des allophones et de l'apprentissage du français à Corbeil-Essonnes. On vous transmettra tout ça, hein, je le dis. Jacques Picard va rajouter aussi une délégation à la mobilité. Hélène Pavamani va prendre la délégation des anciens combattants. Voilà. Donc les femmes s'applaudissent. Hervé Jacques rajoute à l'importante délégation de la sécurité et de la tranquillité publique la question de la sécurité civile et citoyenne. Bravo à Hervé. Francis
Arnoux, Laurent va se voir rajouter la délégation du cadre de vie, en plus du centre technique municipal qui ouvrira dans notre mandat. Sylvie Dayani va, en plus de la nature en ville, prendre la délégation qu'elle suit déjà particulièrement, notamment avec le CIARS, de l'entretien de la rivière Essonne. Applaudissements pour Sylvie Dayani. Maxime Podolac, en plus du travail important qu'il fait sur la Seine et qui sera l'élu qui, j'espère, inaugurera dans notre mandat la baignade en Seine en 2025, va s'occuper de l'animation des berges de Seine, puisque la perspective de la baignade en Seine va complètement changer le rapport des Corbeil-Essonnois et des citoyens alentours à la Seine. Merci. Et d'ailleurs, je viens d'apprendre, excusez-moi, on a prévu d'être bref, on peut applaudir Maxime. J'étais avec, suis ça de près, Maxime, j'étais avec le maire de Ris-Orangis tout à l'heure chez le préfet, qui m'informait que dans la perspective des Jeux Olympiques, la navette fluviale allait être portée en tout état de cause jusqu'à Ris-Orangis et Soisy, et qu'il faut qu'on intègre ça pour qu'elle vienne jusqu'à Corbeil-Essonnes. Benjamin Ledroux-Maguet, en plus de la relation au Génopôle et aux universités, depuis que nous avons inauguré les jeudis Faisons connaissance à Corbeil-Essonnes, va se voir ajouter la délégation de la culture scientifique. Et enfin, Jenna Kinkela Kimpuni va prendre la délégation du soutien à la parentalité. Bravo, Jenna. Donc, je vous propose qu'on commence par la motion sur le RER. Jacques Picard. S'il vous plaît, juste une petite remarque. J'imagine qu'on va avoir toutes ces modifications transmises par écrit. C'est exactement ce que j'ai dit. Vous allez être informé par tout cela par écrit. Dans la semaine, c'est ça? Bien sûr. Parfait, merci. Jacques Picard, à toi. Je vais faire relativement court, puisque ce dossier a été plusieurs fois évoqué en conseil municipal. Vous rappelez l'histoire. Décembre 2020, automne 2020, la ville de Corbeil-Essonne décide de s'investir massivement dans le débat sur l'amélioration du RERD. Hiver 2021, sous Covid, préparation avec les associations d'un forum RERD qui se tient le 10 avril 2021. De ce forum naissent un cahier de préconisations et un livre blanc sur RERD dont les mesures principales sont intégrées à la concertation sur la revoyure du schéma directeur du RERD. Puis en janvier 2022, nous décidons de proposer à 5 communes, Ris-Orangis, Soisy, Sur-Seine, Étiole, Ballancourt et le Malherbois, de co-financer une étude indépendante sur la faisabilité de la ligne S du RERD. Nous en sommes aujourd'hui, cette étude sur la ligne S a été présentée au deuxième forum du RERD à Ris-Orangis en novembre. Et aujourd'hui, cette étude, depuis un mois qu'elle a été produite et diffusée, fait manifestement le débat et s'est imposée dans le débat public sur le RERD, puisqu'elle a été présentée à IDFM il y a environ 3 semaines, et à la SNCF Réseau lundi dernier, sous les auspices d'IDFM à Paris-Gare de Lyon, et ceci entraînant un dialogue technique de plusieurs réunions entre le cabinet SMA et les experts de la SNCF. Et nous sortons avec Monsieur le maire d'une rencontre avec le préfet pour lui parler justement de cette ligne S. Donc on peut dire aujourd'hui que l'hypothèse que la ligne S voit le jour est assez rapidement avec une préfiguration au SA 2024, donc en décembre 2023, se fait de plus en plus positive. C'est pourquoi il est important, comme toutes les autres communes, que nous délibérions pour soutenir cette ligne S. Donc c'est l'objet de la soutien de la motion que vous avez sur la table et qui demande très précisément, après avoir retracé sa genèse, qui demande deux choses à la présidente d'IDFM, Mme Valérie Pécresse, de s'approprier ce projet et d'agir pour que la SNCF intègre la proposition de ligne S dans le schéma de revoyure du RER avec la première train préfiguratif au SA 2024. À M. Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, et M. Marc Guillaume, préfet de la région Île-de-France, de soutenir également ce projet d'inscrire au contrat de plan État-Région la réalisation la plus rapide possible des investissements structurels nécessaires sur le RERD, en particulier la réalisation du dit Terrier de Bercy. J'ajoute, ce n'est pas dans la délibération, que le dernier CA, donc c'était lundi dernier je crois, d'Île-de-France Mobilité, sur proposition de deux groupes, qui étaient le groupe écologiste et le groupe communiste,
à la présidente. La présidente a repris la motion qu'ils avaient proposée et donc le IDFM a voté une motion demandant à ce que dans les 3 mois, le projet de ligne S soit soumis à la délibération du conseil d'administration d'IDFM. Donc aujourd'hui, j'étais il y a quelques semaines encore sur un mode prudent, c'est pas gagné mais nous pouvons gagner. Aujourd'hui, je passe sur un mode, c'est pas gagné, mais nous devrions pouvoir gagner, et ceci à échéance propre, proche. Mais il est important que l'ensemble des collectivités se mobilisent aujourd'hui pour appuyer cette démarche. J'ajoute que le cabinet SMA, qui est le cabinet suisse qui a fait cette étude, va être recommandité par beaucoup d'autres communes, Grand Paris Sud en particulier, et d'autres intercommunalités comme celle de Mennecy. Donc on élargit largement le spectre des communes aujourd'hui qui appuient ce projet. Donc je vous demande, si c'est possible à l'unanimité, de voter cette motion, d'appui au projet de ligne S. Merci Jacques pour ton engagement. À tes côtés, au nôtre, 1853 Corbeil-Essonnois ont signé la pétition ou en ligne ou à la gare. Et nous étions 120 dans cette salle lundi soir pour découvrir cette étude, avec une réunion de, Martine me le rappelait, de très grande tenue. Un élu maintenant expert et reconnu sur cette question. Je dis juste qu'en sortant de chez le préfet avec Stéphane Raffali et Jacques, nous étions vraiment d'abord très très bien reçus par le préfet de l'Essonne, qui se fait le porte-parole de ce travail. Et donc nous sommes en train d'obtenir un rendez-vous avec Stéphane Raffali, tous les maires qui nous soutiennent, Jean-Baptiste Rousseau et les autres, un rendez-vous auprès du ministre des Transports début janvier. Et donc ce serait une révolution pour les Corbeil-Essonnois, je vois le public dans la salle, celles et ceux qui nous regardent, de pouvoir se rendre, de dire « allez, dans 31 minutes, je suis à Paris, gare de Lyon ». Voilà. Donc merci Jacques. Un avis sur le, avant que je mette aux voix cette motion. Bonsoir Monsieur Bell, bienvenue parmi nous. Qui s'abstient sur cette motion? Qui est contre? Qui est? Tout le monde est pour? Qui est pour? Alors. Excusez-nous, mais en fait, la motion, elle est présentée, elle nous a été déposée sur la table, on n'a pas eu d'informations préalables, on la découvre, et c'est compliqué pour nous, même si le sujet est intéressant et il est passionnant, et je comprends qu'il impacte grandement le quotidien des Corbeil-Essonnois. Toutefois, nous, on a besoin d'avoir un petit peu plus d'éléments pour pouvoir nous positionner, donc nous ne prendrons pas part au vote. Très bien. Qui ne prend pas part au vote? Votre groupe? Monsieur Breton, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? L'ensemble des élus présents, sauf le groupe de Monsieur Breton. Merci Jacques, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Monsieur Bell, non, il lève la main. Oui. Juste une intervention sur le sujet. Donc, bien sûr qu'on est favorable à l'amélioration de la ligne D, c'est une évidence. Mais je voudrais rappeler que cette amélioration potentielle, elle est forcément sur une durée très très importante, la SNCF ne changeant jamais rien en moins de 5 ans, ce qui est compréhensif. Ce que je vous ai souvent dit, c'est que on pouvait faire gagner énormément de temps aux travailleurs qui utilisent les transports en commun en améliorant l'accès à la gare. Et l'accès à la gare, il s'améliore de deux façons. Pour les automobilistes, en améliorant le stationnement autour de la gare. Donc, quid de vos projets d'amélioration du parking autour de la gare et notamment des parkings en structure que nous aurions pu construire sur certains sites. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, l'amélioration de la fluidité du transport en commun. Donc, les bus, sites propres... amélioration de la trajectoire. Par exemple, imaginez faire traverser les bus des allées Aristide Briand vers la gare à travers le site de la papeterie. Ça permettrait à 85% des bus de gagner 5 à 6 minutes sur la durée de leur trajet. Donc c'est très important. Et il me semble donc que ça ne doit pas être négligé. J'ai l'impression que depuis que vous êtes là, vous n'avez pas beaucoup traité ce problème. Merci. Juste un mot, 3 parkings de façon très sérieuse et dans des délais, j'espère, brefs, pourraient être ouverts autour de la gare.
sur le terrain qui appartient au département, donc rue de Seine. Les chips, on va essayer de les garder pour le match. Et donc, comment dire, terrain donc rue de Seine qui appartient au département. Je m'en suis entretenu avec François Durouvray il y a quelques semaines. Il viendra passer une demi-journée à Corbeil-Essonnes début janvier. Nous serions d'accord pour, avant même un parking relais, installer un parking, Pascal, un parking en surface. Les chips, c'est pas une bonne idée en fait. Donc on peut les manger comme tout ce qui est sur la table dehors, ça serait plus agréable. Et donc ici, un parking sur le terrain de devant le CERNAM. Nous sommes en meilleure discussion avec la SNCF pour devant le CERNAM, juste devant la gare de Corbeil-Essonnes, mettre de l'enrobé et avoir un parking de 200 places. Et nous travaillons avec ICAD, je les rencontre demain à Paris, pour, sur l'ancienne usine à gaz, avoir un parking, un énorme parking sur ce terrain. Et donc on a trois perspectives de parking, soutenues par le préfet, puisque lui-même a abordé le sujet tout à l'heure, Jacques. Et puis une éventuelle autre bonne nouvelle qu'on a eue avec Stéphane Raffali, c'est que pour prolonger le tramway qui vient jusqu'à Juvisy, on pourrait avoir une nouvelle ligne de bus plus conséquente qui arriverait jusqu'à l'hôpital. Et on travaille tout le sujet du réseau bus à Corbeil-Essonnes. Voilà ce qu'on peut dire ce soir. Voilà. C'est à toi. On a voté la motion. Sylvain Renard, point 1, 4, je crois. J'ai pas oublié. Non, 1, 2, pardon. 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'ai passé vite mes pages. 1-2. Alors, le point 1-2 concerne la désignation de nouveaux membres du conseil municipal au sein de la commission municipale interne santé et solidarité et du conseil d'école maternelle Geneviève Antonios de Gaulle. En raison de la démission de Mme Diana dos Santos Rumor de ses fonctions de conseillère municipale, il convient bien entendu de la remplacer au sein de divers organismes dans lesquels elle a été désignée pour représenter la commune au début du mandat municipal. Conformément aux dispositions des articles L. 2121-22 et L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriale. Je vais vous proposer sur ce point de procéder par un vote à main levée. Qui s'y oppose ? Personne, donc c'est ce que nous allons faire. Il est dès lors proposé au Conseil municipal de désigner M. Jean-Marie Sirami, membre de la Commission municipale Santé et Solidarité, et en qualité de représentant de la commune au sein du Conseil d'école maternelle Geneviève Antonios de Gaulle. Y a-t-il des questions sur ce point ? Je n'en vois pas. Nous pouvons donc passer aux voix. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Alors, abstention, d'accord. Qui est contre ? Personne. Donc, à l'unanimité, moins ces abstentions. En application de l'article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs. Donc, en raison de la démission de M. Daniel Leguay de ses fonctions de conseiller municipal le 31 octobre dernier, il convient de le remplacer au sein de la commission consultative des marchés dans laquelle il a été désigné pour représenter la commune. Je vous propose là aussi de procéder à main levée. Qui s'y oppose ? Personne, donc c'est ce que nous allons faire. Il est donc dès lors proposé au Conseil municipal de désigner M. Jacques Picard au sein de la commission consultative des marchés. Y a-t-il des questions ? Oui, simplement, j'ai un peu loupé la précédente délibération. Donc, c'était, vous n'aviez pas à nous faire voter, c'était un don d'acte, si je me souviens bien. Ah non ? Sur l'installation du nouveau conseiller municipal. Ouais, vous n'auriez pas dû faire voter. Bon, c'est pas grave. Donc, moi, je voulais souhaiter bienvenue à M. Sirami dans notre conseil municipal. Donc, M. Sirami, qui est une personne, une personnalité de la ville, et particulièrement de la rive droite, mais de la ville et de l'association Corbeil-Essonnes Environnement.
Personnellement, on a de bonnes relations. Vous êtes reconnu comme étant une personne très soucieuse des questions environnementales. Et donc, j'espère que votre arrivée dans le conseil municipal, dans la majorité municipale, va permettre à cette majorité de prendre conscience d'un certain nombre d'aspects, notamment environnementaux et urbanistiques. Je sais que vous êtes très sensible à cette question. Et donc, le dossier phare de ce mandat, qui est la construction de 67 000 mètres carrés potentiels de mètres carrés de bâtiments, certains diront de béton, sur le site de l'imprimerie en plein cœur du centre-ville historique de la ville, nous paraît être une chose essentielle. J'ai espoir que vous soyez capable de modérer cette ambition du maire, qui nous paraît folle. Et donc je tenais à le dire. Bienvenue, monsieur Serami, en tout cas pour notre groupe ici présent. Merci. Merci. Alors, si vous voulez bien, nous allons revenir au point actuel, c'est-à-dire à la désignation de monsieur Jacques Picard à la commission des marchés. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Il n'y en a pas, donc nous passons au vote. Qui s'abstient ? Le groupe de monsieur Bell. Qui est contre ? Personne. Et qui est pour les autres, j'imagine. Merci, Sylvain. Ensuite, recensement annuel de la population. 1-4. Alors, comme vous savez, l'INSEE a notifié à la commune la procédure à suivre pour la mise en œuvre du recensement annuel de la population qui se déroulera du 19 janvier au 25 février inclus. Vous connaissez son importance pour l'établissement de la population légale. Son organisation nécessite le recrutement d'agents recenseurs. En contrepartie, l'INSEE versera à la commune une dotation forfaitaire de 9 421 euros. Il est proposé au conseil municipal de fixer les indemnités accordées aux agents recenseurs pour le recensement 2023 de la façon suivante. 3 euros pour chaque bulletin individuel papier et 3,50 euros pour les réponses par Internet. 1,50 euros pour chaque formulaire feuille logement, fiche logement, non enquêté, dossier d'adresse collective, etc. Et 100 euros correspondant au forfait pour la tournée de reconnaissance préalable. Y a-t-il des questions ? Je n'en vois pas. Nous passons au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Donc, à l'unanimité, cette délibération est adoptée. 1-5, Sylvain. Il s'agit des frais de représentation du maire de Corbeil-Essonnes. L'article L2123-19 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal peut voter sur les ressources ordinaires des indemnités au maire pour frais de représentation. Afin d'actualiser la délibération du conseil municipal en date du 12 juin 1989, il est proposé au conseil municipal d'attribuer des frais de représentation au maire et de fixer le montant de l'enveloppe annuelle à 7 000 euros. Il convient de préciser que ces frais de représentation sont pris en charge dans la limite de cette enveloppe annuelle sur présentation des justificatifs correspondants. Y a-t-il des questions ? Monsieur Bell. Bien, monsieur le maire, nous venons de décrocher dans un certain nombre de palmarès, en tant que Corbeil-Essonne, donc la deuxième place de la ville la plus pauvre de l'Essonne. Et on se classe un petit peu moins mal au niveau de l'Île-de-France. Mais bon, rien n'est... Enfin voilà, tout nous est permis. À côté de cela, vous cumulez personnellement près de 8 000 euros mensuels d'indemnité lorsqu'on ajoute... Alors vous allez... nous parler uniquement de votre net municipal, mais moi je préfère ajouter à votre net municipal le net de l'agglomération et le net, donc en tant que vice-président de l'aglo, où vous ne siégez pas beaucoup, ni dans les séances plénières, ni, semble-t-il, dans les commissions ou dans la séance la réunion dite des maires de l'aglo. Et également comme vice-président du CIARS, où vous siégez pas non plus beaucoup. Bref, 8 000 euros d'indemnités cumulées, c'est beaucoup. Alors,
les élus, en général, les adjoints en particulier, qui ont de temps en temps, sont de temps en temps confrontés à ce genre de problème de représentation également, n'auront pas d'indemnité. Ils vont donc utiliser, j'imagine, les indemnités déjà très 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 supérieures à ce qu'elles étaient dans le passé, pour gérer donc leur relation avec des personnes avec qui ils auraient à dépenser quelques frais. En ce qui vous concerne, nous allons ajouter, en tout cas c'est la délibération qui est proposée, ajouter à ces 8 000 € d'indemnité mensuelle une somme encore supplémentaire de 7 000 €. Alors je rappelle encore une fois la pauvreté de la ville de Corbeil-Essonnes. Je rappelle que vous le vouliez ou non, vous avez augmenté les impôts de 3,4% cette année avec l'évolution des bases. Que vous le vouliez ou non, vous allez augmenter les impôts, puisque c'est ce qu'on nous promet au niveau national, j'ai ouï dire 6 à 7% d'augmentation l'année prochaine des bases sur le foncier, ce qui est gigantesque et ce qui ne s'est pas vu depuis 30 ans en France. Voilà, dans ce contexte-là, monsieur le maire, franchement, vous abusez en nous proposant de récupérer 7 000 € d'indemnité pour frais de représentation, bon, en clair, frais de bouche, qui ne seraient pas pris en compte déjà par les gens qui vous inviteraient au restaurant dans Corbeil-Essonnes ou ailleurs. Merci. Merci, monsieur Breton. Merci, monsieur le maire. Oui, j'avais aussi alors une question par rapport à ça. Vous avez déjà des frais de bouche pour le cabinet quand vous faites livrer des repas, ou c'est ce qui est compris dans ces 7 000 euros? Non, ça, ce sont les frais de représentation. Vous regarderez l'article 2123,19, ouais. Par exemple, se rendre en province pour mes fonctions de maire, par exemple. Voilà. Donc, nous également, notre groupe vote contre, parce qu'on trouve ça quand même particulièrement indécent et mal choisi en cette période de restriction. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une inflation de 6,2%. Donc les Corbeil-Essonnois ont du mal à faire leurs courses, à faire leur plein d'essence, et nous on considère que c'est vraiment exagéré, d'autant plus que alors c'est pas le précédent, celui d'avant, vous avez dit, mais nous l'argent c'est pas notre truc ici. Si c'est pas votre truc, laissez-le dans les caisses et arrêtez de les piller, parce que entre l'augmentation des indemnités, les frais de garde et là les 7 000 €, mais on n'arrête pas d'entendre partout, on n'a plus d'argent, on peut rien faire, et là il y a 7 000 € pour les frais de représentation. Et comme le soulignait Monsieur Bell, vous avez déjà des indemnités confortables qui vous permettraient de financer les déplacements, les vêtements, tout ce qui peut nécessiter votre activité de maire sur Corbeil-Essonnes. Donc nous, on ne souhaite pas voter favorablement à cette délibération. Très bien. Juste, on a prévu ce soir d'être succinct. Je ne répondrai que à ce qui est faux. Mes indemnités de maire, c'est 3 055,88 €. Et sincèrement, le travail que nous faisons, les uns et les autres méritent cela. Et vous touchez vous-même 200 €. Je n'ai vu aucun élu de la minorité aujourd'hui proposer de les reverser au CCAS. Mais vous pouvez le faire. Cette délibération est parfaitement légale. C'est la loi. Et donc on réactualise celle qui datait de 1989. Il n'est pas du tout dit d'ailleurs que ces 7 000 € soient dépensés. Je fais remarquer que, évidemment, je m'achète mes cravates et mon vélo et que je paye personnellement mon abonnement de téléphone. Donc trouver des maires qui font tout cela. Et quand un petit mot, monsieur Renard, juste rapidement sur les 3,4% d'augmentation d'impôts qui sont un mensonge, rétablissez, s'il vous plaît. J'ai dit à une précédente réunion très clairement que ce n'est pas la ville qui décide d'augmenter les bases, c'est l'État. Et j'ai dit, comme Monsieur Bell avait déjà tenu le même propos, qu'il mentait. Ce qui me surprend et ce qui commence à m'indigner, c'est qu'il persévère. Nous n'avons pas augmenté les impôts. Point. Voilà. C'est la vérité. On passe au vote. Qui s'abstient? Madame Garcia, vous vouliez dire un mot? Allez-y. C'est juste une petite question, monsieur le maire. Là, vous votez des frais de représentation.
tout ce que vous faites est toujours dans la plus stricte légalité. Donc, la plus stricte quoi ? Dans la plus stricte légalité. Oui. C'est indubitable, c'est indéniable à chaque fois. Merci. Bon, y compris les indemnités des élus, ça rentre dans les textes. Ça, il n'y a rien à dire. Mais on vous fait à chaque fois remarquer, et vous n'en tenez pas compte, et je le regrette, que dans le contexte actuel, ces augmentations nous paraissent déplacées. Voilà. Ce n'est pas une augmentation, et la question que, c'est la loi. Question, et la question que je vous poserai, monsieur le maire, alors, comment faites-vous à l'heure actuelle pour vos frais de représentation ? Écoutez, c'est une bonne question parce que je n'en ai pas. Voilà. Le maire de Corbeil-Essonne vient en vélo le plus souvent, sauf peut-être ces temps-là, à la mairie. Il a acheté son vélo avec son argent. Et je suis tellement à l'aise avec tout ça que vous pouvez y aller. L'un de vos anciens amis, à tous ceux qui sont au bout de cette table, qui s'appelle Jacques Lebire, m'avait dit, dans cette salle, on aura un problème avec vous, monsieur Piriou, il y a 20 ans, parce que vous n'aimez pas l'argent. Donc venez avec moi circuler en vélo dans la ville, je n'ai aucun problème avec tout ça. C'est la loi qui oblige, si toutefois... parce que voilà, ça m'émeut un peu, parce qu'une fois où j'ai dû utiliser de l'argent du cabinet, c'était pour aller en province aux obsèques des enseignants de cette ville. D'accord ? Et donc j'ai utilisé, parce que voilà, si je dois aller dans le sud de la France, que ça coûte 500-600 euros, pour ma fonction de maire, c'est la loi d'avoir une petite somme qui peut voter en conseil municipal, transparente, pour dire le maire, à part quelquefois des frais, il utilise une délibération, c'est la transparence. Donc on peut passer des heures là-dessus, mais voilà, je vous ai répondu, Madame Garcia, Madame Ketfi. Merci. Je vais juste une petite remarque. J'ai ouï dire que vous venez d'acquérir un nouveau véhicule pour vos déplacements, un Toyota hybride. J'imagine que vous ne faites pas tous vos déplacements en vélo au sein de la ville. Enfin bon, ça c'était juste... C'est très intéressant. Vous êtes un génie en politique. C'est juste le petit passage. Mais allez-y, continuez. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ce que je voulais surtout signifier, c'est rétablir la vérité en effet sur vos indemnités de maire. Je ne sais pas d'où sort le chiffre de 3 300 euros et je vous demande de bien vouloir produire votre bulletin de paie dans ces cas-là et on arrêtera d'en discuter. Il n'y a pas de problème. Parce que me concernant, le seul document que j'ai à ma disposition est une délibération du conseil municipal. Et nous l'avons encore ce soir. Cette délibération est le point 7.4. Et dans le point 7.4, vous prenez... la liste des personnes qui perçoivent des indemnités au sein de cette instance. Et il est indiqué, maire Bruno Piriou, 5 319,18. Je ne l'invente pas, j'ai un document écrit que chacun peut consulter, 5 318. Alors, les 3 300, je ne sais pas d'où ils viennent, et ces 7 000 euros viennent s'ajouter, en effet, à ces 5 318. Alors je vais en effet m'associer au commentaire de Madame Garcia. Vous êtes toujours dans la légalité, certes. Ce n'est pas parce que c'est légal que c'est obligatoirement à mettre en œuvre, d'une part. Et d'autre part, nous vivons une période difficile. Vous savez que l'inflation, elle est très importante, que tout le monde se serre la ceinture. Et vous augmentez les frais de bouche de... Vous mettez en place des frais de bouche à hauteur de 7 000 euros. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce que vous faites, c'est légal, mais ce n'est pas moral. Voilà. Merci, Monsieur Renard. Nous allons donc mettre aux voix cette décision. Qui s'abstient d'abord ? Qui est contre ? L'ensemble de l'opposition. Et les autres sont pour, j'imagine. Merci. Monsieur, je ne me trompe pas, Gautreau, merci Sylvain. 1-6. Pour 1-6, oui. Bonsoir à tous. Donc le point 1.6, adhésion à la SIC, SAS tourner la page en cours de constitution et participation communale au capital social pour le maintien et le développement de l'activité de librairie 6 place Saint-Léonard à Corbeil-Essonne. La commune de Corbeil-Essonne souhaite soutenir l'activité et la continuité de l'unique librairie implantée sur son territoire.
la librairie LCP Chauvelin, située 6 place Saint-Léonard à Corbeil-Essonnes, conformément aux objectifs formulés dans la délibération de principe du Conseil municipal du 9 novembre 2022. Cette librairie est désormais en cours de constitution dans le cadre d'une société coopérative d'intérêt collectif par action simplifiée, conformément à la loi du 10 septembre 1947. Au travers de la clause générale de compétence, la commune souhaite apporter au capital social de la SIC, sas tourner la page, la somme de 5 000 euros permettant le dépôt des statuts définitifs pour la constitution effective de la SIC. Le maintien de la librairie sur le territoire de la commune répond en effet à un intérêt public d'animation du centre-ville et de politique culturelle justifiant l'intervention de la commune. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion à la SIC, sas tourner la page en cours de constitution, d'approuver la participation au capital social à hauteur de 5 000 euros, d'approuver le projet statut finalisé de la SIC, sas tourner la page à capital variable. Y a-t-il des questions ? Monsieur Breton ? Oui, merci. La dernière fois, monsieur le maire, je vous avais posé une question sur l'activité de cette librairie, sur son résultat d'exploitation. Vous m'aviez dit que vous me donneriez la réponse là au prochain conseil. Donc ça, c'est la première question. Et deuxième, j'imagine qu'il va y avoir un conseil d'administration. Et serait-il possible qu'il y ait un membre de l'opposition qui siège avec un membre de la majorité au conseil d'administration afin qu'il y ait, comme vous êtes très attaché à la transparence de l'information et de toutes ces délibérations, on souhaiterait qu'il y ait la présence d'un élu de l'opposition dans cette instance. Merci. Éric, à toi. Alors, je vais vous répondre, puisque vous avez demandé... j'ai le bénéfice net de la libération sur les trois derniers exercices. Donc, en 2020, c'est 9 352 euros. En 2021, 14 208 euros. En 2022, 17 051 euros. En ce qui concerne votre deuxième question, il n'y a qu'une seule place disponible. En revanche, je vous invite à prendre des parts, et comme ça, vous pourrez participer au capital de l'entreprise. Y a-t-il d'autres questions ? Madame Garcia. Moi, ce que je souhaite, c'est que, à partir du moment où c'est un vote, et un vote unanime du Conseil municipal, sur cette délibération, hein, qui nous paraît importante dans la mesure où, en effet, cela permet à la dernière librairie de la ville de continuer d'exister, et que l'opposition ne sera pas au sein du Conseil d'administration, comme on vient de nous le dire, je pense qu'il est important de veiller à ce que, dans cette librairie, on est une expression plurielle. C'est-à-dire qu'on n'est pas une librairie orientée dans les publications, quelles qu'elles soient. Donc ça, c'est un vœu que j'exprime et auquel je veillerai en tant que cliente, si je puis dire, de cette librairie. Il me paraît fondamental qu'il n'y ait pas d'orientation, d'autant plus qu'on a là un vote unanime pour permettre l'expression à cette librairie de continuer d'exister. Ça me paraît très, très important de le préciser, parce que, bon, je ne suis pas sûre qu'on ne soit pas à l'abri d'une espèce d'orientation politique. Merci. Je ne suis pas sûr que vous trouviez le dernier livre de M. Zemmour, mais ça appartient... c'est la liberté des libraires de choisir les ouvrages qu'ils mettent en avance, mais je suis... D'ailleurs... Peut-être y aura-t-il pas les derniers ouvrages de M. Zemmour, mais la librairie n'appartient pas à la municipalité, si vous avez bien lu, voilà, et il appartient aux libraires de choisir, heureusement, en toute liberté, les livres qu'ils vendront. Et vous pourrez aller discuter avec eux. Monsieur oui. Breton. Oui, juste, alors comme ce n'est pas possible de siéger dans le conseil d'administration, mais d'y être invité en tant que spectateur, est-ce que c'est éventuellement possible pour partager les informations ? Non, c'est un conseil d'administration. Et puis, monsieur Breton, excusez-moi, mais cette librairie, ça fait belle durette qu'elle existe, ça fait belle durette que la question se pose de son devenir, et nous avons trouvé la solution pour qu'elle vive. D'ailleurs, Jacques... parce que la question du RER, nous en avons parlé évidemment chez le préfet tout à l'heure, mais on fait aussi un 31 minutes, on espère, pour aller à Corbeil, pour redévelopper le commerce. Et monsieur le préfet a souligné l'intelligence de cette délibération et du fait que nous ayons sauvé la dernière librairie d'Évry-Courcouronnes, puisqu'il n'y en a plus,
et de Corbeil-Essonne. C'est tout à notre honneur. Vas-y, Pierrick, tu peux mettre au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Tout le monde est pour la librairie. Merci, Pierrick, pour ton travail. Vas-y. Il y a un deuxième vote, après. Allez, vas-y, oui, vas-y. Mais... Il convient également de désigner deux membres du conseil municipal en qualité de titulaire et suppléant pour siéger au sein du collège E-Collectivité locale de la SIC, Sastourné-Lapage. Je vous propose un vote à main levée. Qui s'y oppose ? Il est proposé la candidature des élus suivants. Titulaire, Oscar Segura. Suppléant, moi-même. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est contre ? Tout le monde est pour. Merci, Pierrick, pour ton travail. Depuis quelques temps, un nouveau restaurant dans le quartier s'inspire, une librairie maintenue, bientôt un glacier, me dit-on. Merci, Hichem. Et donc, un bon espoir de redévelopper le commerce de proximité. 1-7, Monsieur Renard. Il s'agit de l'information sur les décisions du maire prises dans le cadre des délégations d'attribution accordées par le conseil municipal en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Comme d'habitude, la liste des décisions est jointe en annexe. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Bell. Et une remarque habituelle. Donc, nous avons en 2022-108 donc les conventions d'honoraires, encore des conventions d'honoraires pour des problèmes juridiques. Voilà, nous vous réclamons depuis longtemps maintenant la liste de tous les recours, de toutes les opérations dans lesquelles la ville est impliquée en termes de contentieux. Donc, on ne l'a pas. J'en parle là en préalable puisque je vous ferai une petite intervention tout à l'heure. Comme j'ai écrit mes interventions, je vous demanderai de les annexer à votre procès-verbal du compte-rendu de ce conseil que nous aurons la prochaine fois et nous pourrons constater. Et donc vous pourrez d'ailleurs à loisir y répondre éventuellement si vous n'avez pas pu y répondre cette fois-ci. Merci beaucoup. En ce qui concerne la liste des recours, je l'ai vue, elle est établie, elle vous sera transmise prochainement. On peut donc... nous ne passons pas au vote. Nous prenons acte, comme à chaque fois. Merci. T'es prête, Martine ? Je vais passer à la suite. Alors, tu l'avais tout à l'heure, tu l'as pas mis de côté. On a un peu changé l'ordre du jour, hein, de sorte que, en fonction du déroulement de la soirée, on permette à ceux qui voudraient partir plus tôt parce qu'ils auraient une obligation. Donc, je vous propose de passer maintenant à la délibération 7-2. Donc, c'est encore Monsieur Renard, la 7-2. Allez. Il s'agit de l'approbation de l'accord collectif local portant sur l'instauration du télétravail au sein des services municipaux de Corbeil-Essonne, l'accord cadre du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique négocié entre le ministre de la Transformation et de la fonction publique et les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires au niveau national, vise à créer un socle commun aux trois versants de la fonction publique en matière de télétravail. Le télétravail, vous le savez, est mis en place pour répondre à plusieurs enjeux, s'adapter aux évolutions de la société, améliorer les conditions de travail, réduire les déplacements et donc les émissions de CO2, créer des environnements de travail plus calmes, notamment dans des bureaux partagés. Depuis 2020, la pratique du télétravail au sein des services communaux s'est intensifiée du fait du Covid-19. La collectivité a ainsi complété son parc informatique d'ordinateurs portables afin de permettre aux agents de télétravailler. L'accord collectif local que nous avons passé après négociation avec le personnel, l'accord collectif local soumis à l'approbation du conseil municipal,
met en exergue un socle de valeurs communes à tous les employeurs pour la mise en œuvre du télétravail régulier, le volontariat, la confiance, la réversibilité et la souplesse. Il a également pour but de rappeler la définition du télétravail telle qu'envisagée à Corbeil-Essonne, de préciser les conditions d'exercice associées, de présenter les modalités d'accompagnement et enfin d'en fixer les modalités de suivi. Il est dès lors proposé aux membres du Conseil municipal d'approuver l'accord collectif local sur le télétravail. Y a-t-il des questions ? Monsieur Bell. Ah non, pardon, Madame Garcia. Excusez-moi. Une question. Combien d'agents à l'heure actuelle sont en télétravail, pardon, sur la ville ? Ça, c'est la première question. Pour l'instant, il n'y en a plus, puisque on est... On attendait, il y en a eu, mais c'était des dispositions provisoires au moment du Covid. Ça, c'était normal. Il y en a eu encore quelques-uns dans la période post-Covid, et on attendait, pour mettre en route le dispositif, d'avoir... passer l'accord avec les syndicats, c'est l'accord qu'il vous est proposé aujourd'hui. Il porte sur une journée par semaine. C'est un essai qui est fait. Un compte-rendu du résultat de ce test sera fait. Et éventuellement, si on est satisfait de la manière dont ça se déroule, ça sera étendu. Pour l'instant, c'est une première étape qui vous est proposée. Et cela concernerait a priori plutôt quel service ? Ça concerne tous ceux qui peuvent télétravailler. Que ça nuise au service public. Il est bien évident que pour un certain... Par exemple, au CTM, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas télétravailler parce que c'est des choses... S'ils travaillent sur une machine, ils sont bien forcés d'être sur place. Donc ça concerne essentiellement les emplois de bureau et encore qui ne sont pas en contact avec le public. On ne peut évidemment pas accueillir le public en étant en télétravail. Merci. Monsieur Breton. Est-ce que c'est plafonné parce que vous dites une journée par semaine ? Oui. Hier, on a eu une commission et en fait, il y a une indemnité journalière, c'est ça, qui est fixée à l'année à 126 euros et quelque chose qui correspond à 44 semaines dans l'année, c'est ça ? Oui, il y a une petite indemnité. Oui. Merci. On passe au vote. Madame Kietfi. Oui, juste une remarque dans le contenu de la délibération. Et en fait, cette délibération, elle suivait la délibération qui venait juste avant concernant l'instauration d'une indemnité forfaitaire que vous avez retirée de l'ordre du jour, si je ne me trompe pas. Cette indemnité, elle servait à indemniser des agents qui utilisent leur véhicule au sein de la ville. Et en fait, ça m'interpelle parce que l'application de ce télétravail vise notamment à réduire les déplacements, les émissions de CO2 et la congestion, notamment dans le cadre de la BraceCop. Alors la BraceCop, je ne sais pas qui connaît, moi je ne connais pas trop. Et si l'idée, c'est assez antagonique en fait entre le fait de verser une indemnité pour des déplacements avec des véhicules thermiques, des agents, et en parallèle mettre en place des actions qui sont tout à fait favorables. Moi, je suis parfaitement favorable au télétravail. C'était juste pour vous interpeller sur les incohérences entre les différentes délibérations que vous proposez. Non, mais Madame, je peux vous répondre très clairement. Il n'y a pas d'incohérence. Quand un animateur qui intervient dans trois écoles doit se déplacer, il ne peut pas travailler s'il ne se déplace pas d'une école à l'autre. Donc c'est justement parmi les gens qui ne peuvent pas télétravailler, il ne peut pas animer à distance. Donc c'est normal que lui, on tienne compte de ce qu'il dépense. Voilà. La réponse est claire. Monsieur Bell. Oui, alors un peu comme Samira Kietfi, donc j'avais prévu d'intervenir sur les questions de personnel. Et donc à cette occasion-là... cette question du télétravail, on aimerait être en télétravail ce soir d'ailleurs tous, mais qu'est-ce que je veux dire Retrouvez vos esprits. Voilà, donc la question du télétravail, comme les autres questions professionnelles, concerne la commission administrative paritaire. Et donc, à ce titre, monsieur le maire, pouvez-vous... Donc j'en viens à la protection en fait des salariés, à la protection de la mairie vis-à-vis des salariés, à la protection des salariés vis-à-vis de la mairie.
Pouvez-vous nous confirmer, monsieur le maire et au conseil municipal, que tous les agents communaux déclarés en activité auprès du centre de gestion et qui sont inscrits sur les listes, sur la liste des électeurs à la commission administrative paritaire de la catégorie A, affichés en mairie, dans les couloirs de la mairie, ont eu communication du matériel électoral afin de voter le 8 décembre dernier. Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question et je vous en communiquerai bien sûr le texte tout à l'heure. Écoutez, a priori, oui, on l'a fait en sorte, je crois. D'ailleurs, si vous parlez des élections, donc, on s'est félicité puisqu'il y a une, 10% de plus sous notre mandat de personnes qui ont participé aux élections. J'y suis passé d'ailleurs saluer l'ensemble des trois listes le soir. Et donc, on s'est félicité. Il y a manifestement suffisamment de gens qui ont reçu le matériel pour se déplacer, puisqu'il y a eu 10% de plus de participation. Après, on peut toujours vérifier qu'il y ait quelques agents qui auraient pas reçu le matériel, mais bon, ça... voilà. Et vous avez pris des dispositions particulières pour, oui, par rapport aux élections précédentes ? Oui, je peux vous assurer que, en tout cas, l'administration et Sylvain Renard, qui a suivi ça d'une main de maître toute la journée jusqu'à tard le soir au dépouillement, on a fait en sorte que tout se passe bien, et j'insiste... Ça ne s'est pas moins bien passé que sous votre mandat, puisqu'on a 10% de plus d'agents qui ont voté. Très bien. Voilà. Bien, félicitations. Merci. Et d'ailleurs, on peut saluer, Sylvain, les syndicats qui sont présentés. De mémoire, la CGT a eu 2 sièges, la CFDT 2, et le nouveau syndicat 4. Voilà. Ensuite, donc c'est bon. Sylvain, tu passes au vote, s'il te plaît. Oui, je signale quand même au passage que le texte sur le télétravail a été approuvé par le comité technique à l'unanimité. C'est quand même important, puisque c'est le Tout dialogue social que nous souhaitons apaiser, que nous souhaitons mener. Tu vas continuer donc les points. Oui, vas-y, face au... Qui, donc je fais voter le 7-2, on est d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, il y a abstention du groupe de M. Bell, c'est ça? Ah non, Mme Garcia toute seule. Mme Garcia. Très bien. Il n'y a pas de refus de vote? Non, tout le monde est pour. Les autres votent pour. Merci. 7-3, Sylvain. Alors, il s'agit de l'approbation du règlement relatif à l'aménagement du temps de travail des agents communaux. Le 29 juin 2022, le Conseil municipal a délibéré pour la mise en place de la fin des dérogations aux 1607 heures de travail. A ainsi été adopté pour l'ensemble des agents à temps complet une durée hebdomadaire de travail de 37h30, générant 25 jours de congés annuels, hors jours de fractionnement et 15 jours de congés ARTT. Cette première étape franchie, il appartient désormais à l'organe délibérant, c'est-à-dire à vous, de la collectivité, de se prononcer sur la définition des cycles de travail au sein desquels sont définies les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause des agents par direction, service ou équipement. Le contenu du règlement annexé au présent projet de délibération figurant dans le dossier qui reprend ces cycles, ainsi que l'ensemble des dispositions internes législatives et réglementaires relatives à l'aménagement du temps de travail des agents. Il est dès lors proposé au Conseil municipal d'approuver le règlement relatif à l'aménagement du temps de travail et d'autoriser Monsieur le maire à le signer, ainsi que tout acte en vue de l'exécution de la présente délibération. Il convient de préciser que le règlement intérieur entrera en vigueur au 1er janvier 2023. Je précise aussi que ce texte a été approuvé en comité technique à l'unanimité. Y a-t-il des questions sur ce point ? Je n'en vois pas. Qui s'abstient ? Le groupe... Madame Garcia, en tout cas. S'abstient ? S'abstient parce que j'estime que nous n'avons pas... Les données suffisantes, les accès nécessaires pour pouvoir appréhender la situation du personnel au sein de la commune. Donc, dans ce sens, je préfère m'abstenir sur toutes les délibérations concernant le personnel. Voilà. Très bien. Donc, vous vous abstiendrez tout le temps, entendu. Les autres qui est contre? Qui est... Et donc, qui alors, est pour donc, les alors, autres attendez, tout le groupe de Madame Garcia ou de Monsieur Bell? Très bien. Merci. Les autres sont pour? Merci. Sylvain, tu continues. Tu peux me donner le numéro, parce que comme on ne suit pas l'ordre... C'est le 7-4, je crois.
l'actualisation du tableau récapitulatif des indemnités pour l'accueil d'un nouveau conseiller municipal. Je peux le faire si tu veux, mais tu t'y retrouves. Je n'ai pas le document, mais... Alors j'y vais. L'actualisation du tableau récapitulatif... Non, mais je suis parti des indemnités de fonction. On installe un nouveau conseiller municipal, Corbeil-Essonnes, notre ville, vivement le printemps 2020. On modifie donc la délibération du 16 juillet relative au versement des indemnités pour qu'il puisse percevoir les indemnités auxquelles il a droit. Et donc cette modification, c'est sans incidence sur l'enveloppe globale. C'est juste à pouvoir permettre que notre ami Sirami puisse aussi toucher les indemnités comme les autres élus. Voilà. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contres? Tout le monde est pour que Jean-Marie Sirami puisse ait les moyens de faire son travail. Merci. Ensuite, est-ce que tu as les moyens, Sylvain, de faire... S'il vous plaît. Oui. Non, on s'abstient sur la précédente délibération. D'accord. Le groupe de M. Breton s'abstient. Très bien. Monsieur Renard, Monsieur le maire, juste une petite question. Oui. Tout à l'heure, je voulais la poser et du coup, c'est passé puisqu'on parle des élus. Comment vous expliquez qu'il y ait autant de démissions dans votre conseil? Ah ben, écoutez, d'abord, autant, pas tant. Eh bien, d'abord, Bourges, Frédéric, vous l'avez salué, rappelez-vous. Donc, il a démissionné parce que c'était prévu. Il est parti à la retraite. Il revient d'ailleurs pour les festivités de Noël dès ce week-end à Corbeil-Essonnes. Et donc, il passe une agréable retraite. Et vous l'avez salué pour la qualité de son travail. C'était prévu avant les élections. Daniel Le Guay nous l'a dit ici pour des raisons personnelles. Et puis, c'est la même chose pour Diana Dos Santos. Voilà, des élus qui, parce que leur parcours de vie comporte des changements, considèrent qu'ils vont s'occuper à d'autres fonctions dans leur vie, et donc de nouveaux élus arrivent. Rien. Et puis, il pourrait y en avoir encore d'autres dans les 3 ans et demi, comme des évolutions de la vie des femmes et des hommes qui s'engagent dans la vie municipale. Parce que peut-être y en aura-t-il d'autres. Même au niveau du personnel, il y a des gens qui partent. Par exemple, le responsable de la police, là, il s'en va au 1er janvier. Et alors ? Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'en vont. Combien ? Non, mais combien ? Donnez-moi le chiffre. Non. Mais si, Monsieur Breton, nous sommes des gens sérieux. D'accord ? Justement, donnez-moi le chiffre. Non. Vous dites qu'il y a pas mal de gens, pas mal. Combien ? J'ai pas le chiffre. Donc, comment vous pouvez savoir qu'il y en a pas mal ? Je dis la même chose que vous quand vous étiez dans l'opposition. Vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en malaise, qui ne se sentaient pas bien, qui partaient. Moi, je n'ai plus de souvenirs de quand j'étais dans l'opposition tellement je suis passionné par mon mandat de maire. Mais je remarque que, Monsieur Breton, vous dites qu'il y a pas mal de gens qui s'en vont, mais vous ne savez pas combien. Je vous remercie. Nous passons donc... Je le ferai en question écrite la prochaine fois. Eh bien, il n'y a pas de problème. Ensuite, Sylvain, est-ce que tu es en mesure de faire le 2-1, c'est-à-dire, on finit tout ce qui est personnel, tu l'as. Alors, oui. Allons-y. Monsieur le maire. Pardonnez-moi. On a voté, je suis désolé. Juste un doute me vient. Vous ne nous avez pas enregistré comme ayant voté cette délibération ? Non. On est contre, nous. Oui, on est d'accord. D'accord, on est bien d'accord. Merci. Vas-y, Sylvain. Nous passons donc... alors, il s'agit de délibérations un petit peu techniques, mais nécessaires, et nécessaires maintenant. Nous passons donc à la 2.1, l'adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire 2023-2026, souscrit par le Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne de la région Île-de-France, fixation du taux de cotisation. La présente délibération a pour objet l'adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire 2023-2026, souscrit par le Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne de la région Île-de-France. Il est dès lors proposé au Conseil municipal d'approuver les taux et prestations négociés, d'adhérer à compter du 1er janvier 2023 au contrat groupe d'assurance statutaire jusqu'au 31 décembre 2026, d'approuver la contribution financière due par la commune de Corbeil-Essonnes au titre de la gestion du contrat groupe et fixée par le conseil d'administration du CIG et d'autoriser Monsieur le maire à signer le bon de commande ainsi que le certificat d'adhésion et la convention à intervenir dans le cadre du contrat de groupe. Cette délib et la suivante ou les deux suivantes sont simplement des délibérations visant à diminuer les coûts, à obtenir de meilleures conditions. Des remarques ? Il n'y en a pas. Qui s'abstient ? Personne. Qui est contre ? Personne. Cette délibération est adoptée. La suivante... Et nous, attendez, là, on était donc on sur la... On passe à la 2-2, je pense. À la 2-2, voilà. Et après... Il s'agit de...
Il s'agit de l'adhésion au groupement de commandes constitué par le Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne de la région Île-de-France pour les assurances incendies, accidents et risques divers pour le lot assurance protection fonctionnelle. Donc, même chose, il s'agit d'une adhésion qui vise à nous faire obtenir de meilleures conditions. Y a-t-il des questions sur ce point ? Il n'y en a pas. Ah, si. Donc, nous voterons pour, comme à la délibération précédente. Néanmoins, il ne faut pas. Enfin, je mets cela comme un avertissement, en quelque sorte, ou une prudence évoquée. Il ne faut pas, sous prétexte que nous avons adhéré à ces groupements cette année, et donc pour les années à venir, qu'on s'interdise d'aller comparer les prix du CIG ou de tel groupement avec les prix de la concurrence privée ou mutualiste. Voilà, merci. On n'est pas du genre à s'interdire. Allez, Sylvain. Donc nous pouvons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Tout le monde la résolution est donc adoptée à l'unanimité. Merci chaleureusement, Sylvain. Je vais proposer à Martine Soavi maintenant de rapporter sur la 5.3. Alors, la délibération 5.3 est une délibération de principe relative au soutien et à l'accompagnement de deux associations dans leur projet de développement. Les associations Savoir et Enseignement et Nour El Farge œuvrent dans la ville de Corbeil-Essonnes depuis plusieurs années au sein des quartiers de Montconseil, L'Ermitage et Pressoir-Prons. En 2012, ces associations se sont installées au 75 boulevard Henri Dunant sur des terrains appartenant à la commune. À l'époque, il y avait une convention qui, depuis bien longtemps, n'existe plus. Ces deux associations mènent des actions, que ce soit culturelle, sportive, enfin d'aide à la population, et participent à des événements communaux. Aujourd'hui, ces associations comptent près de 500 adhérentes et adhérents. De ce fait, le local est devenu bien trop petit pour accueillir tout ce monde et faire des activités dans les meilleures conditions. Il est donc proposé d'accompagner ces deux associations dans leurs souhaits de développement, en leur permettant de s'agrandir. Donc, il est proposé au Conseil municipal de soutenir et accompagner ces deux associations dans leur démarche, notamment auprès du département de l'Essonne, puisqu'une des parcelles appartient au département de l'Essonne, en vue de les aider à développer leurs activités. Merci Martine, puisque tu parles du département, j'ai été reçu il y a 15 jours par François Durouvray. Nous avons évoqué ce dossier avec le président du département, qui voit d'un œil favorable notre projet commun, département, commune. Y a-t-il des remarques ? Monsieur Bell. Donc c'est tout votre commentaire ? Avec que ça comme commentaire à faire ? Non, c'était une précision, mon commentaire, je le ferai après. Je précisais juste sur... Bon, alors, donc, voilà, nous avons un problème avec cette délibération. Oui. C'est que, donc, vous nous présentez clairement les choses comme... Enfin, clairement, vous nous présentez les choses comme étant, donc, une question de la dynamique du quartier en organisant la vie culturelle, des ateliers de vacances scolaires, cuisine du monde et, ou encore, de couture. Voilà, c'est effectivement une activité qui intéresse beaucoup le quartier de Montconseil et qui est gérée par deux associations, donc l'association Savoir et Enseignement et l'association Nour El Farge. Alors, on a d'abord commencé, parce qu'on s'intéresse toujours au fond des dossiers, et on a commencé par regarder Savoir et Enseignement, ce que ça donnait sur Internet. Et Savoir et Enseignement, donc, donnent rien sur Internet, si ce n'est que ça renvoie à l'association Nour El Farge, qui est donc l'association qui est là. Et nous sommes allés sur le journal officiel de la République française pour relever ce qu'était l'association Nour El Farge. Alors, cela va être dit sans aucune animosité et sans aucun problème, mais nous allons lire la chose suivante. Déclaration à la préfecture de l'Essonne, annonce numéro 1762... qui est la déclaration de création de l'association Nour El Farge. L'association Nour El Farge a pour objet d'assurer l'exercice public du culte musulman, d'enseigner le message et la pratique de l'islam et de pourvoir aux frais et besoins du culte. Siège social
adresse rue Marc Dufour, à Corbeil-Essonnes, date de déclaration de la création, 10 octobre 2020. En quoi, dans l'objet de cette association, l'objet de cette association est exclusivement cultuel. Il est donc clair que cette délibération, quel que soit le résultat de cette délibération, quelle que soit sa présentation, quel que soit le vote qui sera fait, est une délibération qui est concernée directement par les questions liées à la loi de 1905 de séparation de l'État et donc des collectivités locales et des activités religieuses. Surtout lorsque, et c'est pour ça que nous nous inscrivons en difficulté avec cette délibération, parce que vous la présentez, je le dis clairement, en catimini, c'est-à-dire que vous nous présentez une délibération sans dire ce dont il s'agit, en nous parlant de cuisine, du monde, de couture, d'ateliers de vacances scolaires, de visites culturelles, sans jamais à aucun moment préciser que donc il s'agit bel et bien donc d'une association cultuelle qui a pour seul objectif, c'est indiqué, pour seul objectif de favoriser le culte musulman, ce qui est parfaitement louable, il n'y a pas de problème. J'attends que vous nous présentiez une délibération où vous appellerez le denier du culte de l'Église catholique à venir à soutenir cette association ou celle du culte musulman, juif, bouddhiste, je ne sais pas. Mais en tout cas, au moins, vous direz ce jour-là le nom clairement des choses et vous annoncerez clairement la couleur. Donc ça n'est pas possible pour nous. Et donc, en conséquence, on ne peut en aucun cas soutenir cette délibération. Je parle de la loi de 1905. Je rappelle que vous avez vous-même inscrit dans un certain nombre de principes liés à notre conseil municipal le fait que nous devions, que chaque association qui était soutenue par la municipalité devait aussi avoir signé la charte de la laïcité. Je doute que ces deux associations aient signé la charte de la laïcité, et je comprends très bien pourquoi, il n'y a pas de problème. Mais donc je pense que ça, c'est aussi un élément qui fait que nous ne pouvons pas accepter cette délibération. Enfin, ce terrain qui est placé donc en haut de mon conseil est un terrain qui avait une vocation jadis. Il était prévu pour y faire un terminus routier pour les autobus et pour favoriser le transport en commun dans cette ville. Ça vient également contredire cette possibilité. C'est la raison pour laquelle le conseil général avait acquis le conseil départemental aujourd'hui avait acquis ces terrains. Il est quand même curieux qu'on les utilise pour autre chose et à plus forte raison pour précisément le développement d'une opération cultuelle. Voilà. Merci. Merci. Alors, un petit mot de Martine pour préciser les choses. Bien sûr, je vais répondre. Cette délibération est tout à fait transparente. Vous vous doutez bien que s'il y a deux associations, c'est qu'il y en a une qui est effectivement culturelle et une autre qui est cultuelle. Et la délibération, elle porte bien, si. Donc, il y en a une qui est une association loi 1901, c'est bien celle qui nous intéresse, et il y en a une qui est une association loi 1906 qui, elle, ne nous concerne pas. Il ne s'agit pas de payer quoi que ce soit à cette association. Il s'agit de clarifier la situation qui a été instaurée par un monsieur qui s'appelle Monsieur Boistel et qui a signé la première convention. Donc je ne sais pas d'où vous sortez qu'il y avait d'autres projets. Toujours est-il que là, aujourd'hui, on met en situation claire, transparente, deux associations qui mènent des activités, effectivement, et qui font vivre le quartier. Voilà. Donc, moi, je vous invite à voter. Ben, je pense qu'après, vous ne pourrez pas parler, parce que... Mais non, mais écoutez, monsieur Bell... Je vous invite à aller... Alors, par contre, je vais terminer. Et donc, cette situation ne pouvait plus perdurer. Et comme n'importe quelle autre association, loi 1901,
À partir du moment où les situations, les conditions d'accueil, on l'a fait pour le secours catholique, on va le faire pour le don du sang. À chaque fois que les conditions sont, indignes et irrespectueuses du public, on fait quelque chose. Là, on va clarifier. Le département et la commune feront des baux qui permettront à ces associations de régler ce qu'ils doivent et de pouvoir continuer à vivre et à faire vivre le quartier, les quartiers. Voilà. Voilà, je pense que c'est clair. Attendez, on va... Monsieur Bell, un dernier mot. Oui, allez-y. Madame Soavi, vous m'expliquerez comment Monsieur Boistel, ancien directeur de cabinet, qui, si je ne me trompe, est parti d'ailleurs le, 20 ou 25 juin 2020, a pu agir pour une association qui a été créée le 10 octobre 2020. Donc je vous parle de l'association Nour El Farge, qui est donc étroitement liée à l'association Savoir et Enseignement, qui, je le rappelle, renvoie systématiquement sur l'association Nour El Farge, qui elle-même renvoie systématiquement sur les horaires des cérémonies religieuses de ce culte. Voilà. Alors, je vais préciser les choses. D'accord, sur un sujet important. Quand nous sommes arrivés, il y a 2 ans et demi, sur le site en question, sur le quartier de l'Ermitage, il y avait sur ce site une activité qui a toujours d'ailleurs été et sociale, culturelle et de prière, cultuelle, d'accord, sans donné par l'ancienne municipalité gratuitement. C'est-à-dire, Monsieur Bell et la plupart d'entre vous, quand vous gériez Corbeil-Essonnes, vous laissiez gratuitement, et pour le coup, je précise, sans aucune convention, mais un accord tacite de votre directeur de cabinet, vous laissiez ses représentants, ses adhérents de l'association, vous, Monsieur Bell, sans aucune convention, gratuitement, occuper le domaine public pour une activité, entre autres, cultuelle. Donc vous avez laissé faire ça en dehors de la loi. Quand nous sommes arrivés, le contrôle de légalité nous a interpellés et nous a dit « Monsieur le maire, l'activité qu'il y a sur ce terrain n'est pas conforme à la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Nous avons, nous, passé une convention avec les représentants de cette association et nous sommes rentrés dans les clous quand vous, tous là ici, vous n'y étiez pas. D'ailleurs, avec Martine Soavi, qui s'est, avant même d'être maire adjointe, créer des liens avec cette association, qui m'a d'ailleurs permis, et je t'en remercie, d'aller les rencontrer. J'y suis allé. J'ai pu vérifier que dans les locaux que vous aviez laissés, je le répète, sans aucune règle, donc en dehors de la loi de séparation de l'Église et l'État, dont vous vous réclamez, oui, Madame Garcia, oui, vous étiez élue, et vous pouvez d'une main distribuer pour Zemmour et faire des choses en dehors des clous de la laïcité, d'accord ? Et donc, le maire de Corbeil-Essonnes est très fier ce soir d'annoncer une déclaration de principe qui va permettre aux représentants de ces associations, une d'ailleurs qui est culturelle, l'autre qui est cultuelle, de pouvoir continuer dans le respect des règles de la laïcité et des clous de la République qui permettent à ceux qui croient de croire dans des conditions dignes, à ceux qui ne croient pas de ne pas croire. Le conseil municipal, ce soir, avec cette déclaration de principe, donne l'intention. Déjà, nous sommes donc en légalité de relation avec nos amis. L'intention de créer, de les laisser, de leur permettre de créer un équipement de meilleure facture qui leur permettra de continuer leur activité cultuelle de prière. Et social et culturel, et nous en sommes très fiers. Et le président du département, quand je lui ai présenté, puisque ce terrain occupe deux sites, un qui est
à la ville de Corbeil-Essonnes, l'autre au conseil départemental, M. Durouvray nous a plutôt accompagnés dans cette intention. Voilà ce que nous votons ce soir. Une intention, c'est vers ça que nous allons, et nous allons créer toutes les conditions juridiques de pouvoir permettre aux adhérents de cette association de pratiquer leur culte et leur activité culturelle et sociale. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous propose que, parce que maintenant que tout le monde a compris, que nous passions au vote pour rétablir la légalité et leur permettre d'assurer leur activité en toute quiétude et en toute légalité. Voilà, c'est ça la délibération. Madame Ketfi. Merci. En fait, à la lecture de cette délibération, j'ai eu les mêmes réflexes que l'autre groupe d'opposition, c'est-à-dire d'aller me renseigner sur l'activité et l'objet de ces associations. Ce qui m'a surprise, c'est qu'il est indiqué que ces associations œuvrent depuis de très nombreuses années, alors que l'objet de leur création au registre des associations en préfecture est daté du 10 octobre 2020. C'est ce qui a amené aussi à avoir de la confusion pour cette délibération. Et la question qui m'a aussi interpellée, c'est pourquoi, si c'est une association que vous souhaitez soutenir, si c'est une association qui, vous estimez, œuvre pour la ville de Corbeil-Essonnes, qu'est-ce qui vous empêche de leur mettre à disposition des locaux au nom de la ville ? Pourquoi soutenir un projet auprès du département et ne pas rechercher des locaux qui leur permettraient de pouvoir faire leur activité dans des bonnes conditions, puisque vous estimez qu'ils ne sont pas dans des mauvaises conditions. Enfin, vous estimez qu'ils sont dans de mauvaises conditions. Par ailleurs, il est indiqué dans la délibération qu'aujourd'hui, ils comptent environ 500 adhérents. Alors, je me suis rendue sur place pour voir un petit peu comment c'était agencé, organisé. Et en fait, il y a des Algeco. Il y a quelques Algeco, trois Algeco, deux ou trois Algeco. Alors, j'étais aussi un peu surprise, me disant 500 adhérents dans deux ou trois Algeco. C'est un petit, enfin, je sais pas trop où ils mettent leurs adhérents, mais c'est un peu juste. Donc, je comprends que c'est un peu l'objet de votre délibération, mais je n'ai jamais vu des gens à l'extérieur, en tout cas de ces Algeco. Donc voilà, c'était surtout à vous interpeller et finir par vous dire, je note que vous distinguez bien que tout le monde dans l'opposition ne faisait pas en effet partie de la précédente majorité, et je vous remercie de souligner que je n'en faisais pas partie par rapport à tout ce que vous avez évoqué. Quand ça vous arrange, vous étiez avec M. Bechter. Quand vous arrange pas, vous n'y étiez absolument pas. Absolument pas. Madame, j'ai Fadila toujours Choufi, tenu la parole les mêmes à Madame éléments. Fadila Choufi. Monsieur le maire, je comprends j'ai mieux toujours aussi avec votre intervention, votre proximité avec M. Ciotti. Chacun tenu assume les ses mêmes amitiés mais politiques. Mais oui, mais vous êtes copain Ciotti, avec Adrien Quatennens. Zemmour. Chacun ses amis. Voilà, merci. À vous, chacun Fadila ses amis, Choufi. Monsieur Fadila le maire. Choufi, monsieur à Mélenchon, vous. Monsieur Quatennens. Allez-y. Fadila Choufi. Je voudrais juste dire deux choses. La première, c'est que la loi de 1901, elle est assez claire. Une association se constitue librement. Le simple fait que des adhérents se réunissent constitue une association, même s'il y a l'enregistrement ensuite au JO. Donc l'association peut très bien exister avant d'être insérée au JO. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je tenais à dire, c'est que avec Alexandre Macestio, nous allons soutenir, bien évidemment, cette délibération au département. Il s'agit juste d'une parcelle. Merci. Voilà. Et donc, pour conclure ce débat, non, je conclus ce débat. D'accord ? Parce qu'on touche à du sensible, vous savez, les amis. On touche à du sensible. Et vous avez des préjugés qui sont les vôtres. Très bas de terre. Vous savez pourquoi ? Vous dites, oui, la laïcité. Beaucoup de membres de cette association aident à la tenue des bureaux de vote à toutes les élections et assurent une pratique citoyenne. Je les en remercie, d'accord ? Quand bien nombre de citoyens ne le font pas assez. Merci à eux. Oui, permettre à ces associations, et si en 2020, Madame Ketfi, vous n'êtes pas allé chercher assez loin, il y a eu une nouvelle création, c'était justement, ils ont dissocié avec deux associations, la pratique cultuelle et la pratique culturelle. Ils se sont mis dans les clous de la République quand, sous votre règne, ils étaient en dehors. D'accord ? Et donc, ce n'était pas mon règne. Laissez-moi, Madame Ketfi. Je vous le précise quand même. Le maire de Corbeil-Essonnes et toute l'équipe municipale considèrent que de permettre, dans un quartier ou dans une ville, à ceux qui croient
de croire dans des conditions dignes. Et souvent, ils croient et ils amènent une vie citoyenne, une vie sociale et culturelle. Oui, le maire de Corbeil-Essonne pense que ça apporte de la fraternité dans les quartiers. D'ailleurs, sur un autre quartier se pose la question, le quartier de Montconseil, puisque nous allons être l'équipe municipale sur un dossier très compliqué, permettre d'en finir avec ce centre commercial insupportable, où il y a aujourd'hui aussi une salle de prière qui n'est pas, qui ne correspond pas au nombre de personnes qui pratiquent aussi, voilà. Et nous travaillons aussi avec eux. Et c'est pourquoi le cabinet du maire de Corbeil-Essonne reçoit régulièrement, tous les mois, l'ensemble des associations cultuelles de notre ville, parce que nous sommes attachés à la laïcité. Voilà, maintenant c'est clair, donc vous assumez vos opinions politiques nationales, nous assumons mais nos valeurs. Nous ne sommes pas au national, monsieur le maire, sommes au local, c'est les moi, personnes c'est sont moi en face qui de vous, préside. Vous êtes en, Madame êtes en train Ketfi, de leur parler. Madame Ketfi, vous êtes en train de vous leur avez, parler, vous avez mais mal été. Donnez-leur des locaux, Madame, ces alors, je précise, donnez-leur Madame des locaux, Ketfi, ils sont là. Décidément, Madame Ketfi, vous êtes vraiment un génie en politique, deuxième fois. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Ah, pas autant que vous. Mais, et donc, quand vous, ou plutôt que d'y avoir été en catimini les voir, en regardant comme ça, vous auriez dû prendre un rendez-vous avec le président de l'association. Mais j'ai comme ça. En catimini. Laissez-moi, parce que vous savez, vous auriez quelque appris, chose que vous connaissez vous pas, auriez, je travaille. Vous auriez appris, laissez-moi parler, Madame Ketfi, c'est un sujet sensible qui touche à nos valeurs. Vous auriez appris en leur demandant un rendez-vous, d'accord ? Que justement, parce que leurs locaux étaient trop petits, ils sont trop petits, leurs locaux, vu le nombre de personnes qui pratiquent dans ces locaux, et que leur choix, c'est leur choix libre, c'est pas de demander un local à la mairie, c'est au contraire de s'agrandir avec des préfabriqués de belles factures et plus importants. Et c'est ça qu'il y aura, et je serai très heureux, si nous sommes invités, d'aller inaugurer avec toute la majorité et celles et ceux qui le veulent, et mon ami Martine Soavi, qui a porté aussi ce dossier, nous serons très heureux d'aller inaugurer de beaux locaux où des concitoyens de notre ville pourront prier dans de bonnes conditions, pratiquer les activités culturelles, sociales et citoyennes. Merci à vous d'exister à Corbeil-Essonne. Je vous demande qui s'abstient. C'est Martine qui passe au vote, d'ailleurs, c'est à toi. Oui, alors qui s'abstient ? Qui est contre ? Le groupe de M. Bell. Qui est pour ? Nous ne prendrons pas part au vote. Le groupe de Madame de M. Breton ne prend pas part au vote. Tous les autres sont pour. Merci à vous d'exister. Ensuite, merci Martine. Donc, c'est M. Renard. M. Renard, c'est la 4-2. Non, 4-1, pardon. Ça peut 4-1, être présenté succinctement. Il s'agit donc de la décision modificative numéro 2. Nous avons voté récemment la décision modificative numéro 1. Je vous l'avais présentée avec un écran parce qu'elle était assez complexe et qu'elle était importante en termes de somme. Ici, nous avons une modification d'ampleur beaucoup plus restreinte. En section de fonctionnement, il s'agit d'augmenter les recettes de 75 000 et quelques euros. Cette augmentation s'explique par la réévaluation des recettes en fonction des encaissements et des notifications constatées depuis justement le vote de la décision modificative numéro 1. Il s'agit... Attendez, je vous demande un tout petit peu de calme et d'attention, parce que sinon, ce n'est pas très commode. Donc, il s'agit de 70 000 euros supplémentaires de remboursement de charges de sécurité sociale et de prévoyance et de 5 364,48 € de recettes exceptionnelles faisant suite à l'ajustement des précomptes de pénalités prévus dans le marché de partenariat du nouveau centre administratif. En dépenses de la section de fonctionnement, il y a évidemment la même somme. L'augmentation des dépenses s'explique par la demande de remboursement de 142 000 euros par le CNFPT
pour des frais payés en 2022 à la suite de la fin de mise à disposition d'un agent communal par la communauté d'agglomération, l'augmentation des charges d'intérêt des emprunts à hauteur de 30 000 euros, l'attribution de 18 500 euros de subventions exceptionnelles et l'ajustement de 5 364 euros de la provision relative au risque de remboursement des pénalités précomptées sur les factures trimestrielles 2022 du marché de partenariat pour la construction du nouveau centre administratif. En section d'investissement, il convient d'inscrire 5 000 euros pour la construction. On en a parlé dans une autre délibération. Il s'agit d'inscrire 5 000 euros pour la constitution du capital social de la SCIC SAS, tournez la page, vous connaissez, pour la librairie. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver cette décision modificative numéro 2 du budget 2022 de la commune. Y a-t-il des questions ? Monsieur Bell. Bien. Alors, monsieur le maire, donc là aussi, j'ai pris la liberté d'écrire mon petit texte. Comme ça, vous allez, comme c'est très technique, vous allez pouvoir y répondre facilement et surtout l'annexer, enfin, l'intégrer dans le compte-rendu. Donc, vous sollicitez donc de notre Assemblée de nous accorder des crédits suite à la demande de remboursement de 142 000 euros par le CNFPT, donc, qui est le Centre national de la fonction publique territoriale, pour des frais impayés de 2022 à la suite de la fin de la mise à disposition d'un agent communal par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud et Seine et Seine-Sénart, ceux qui savent de quoi je parle, connaissent le nom de la personne. Pouvez-vous nous indiquer si vous avez déjà effectué un paiement à cet organisme alors que vous n'y avez pas été autorisé par le conseil municipal ? Deuxièmement, à quel titre l'organisme a-t-il eu des frais relatifs à un agent communal ? Troisièmement, pourquoi ces dépenses n'étaient-elles pas prévues au budget que vous nous avez présenté, soumis et que vous avez voté le 6 avril dernier. Quatrièmement, pouvez-vous nous communiquer cette mise à disposition d'un agent communal par la communauté d'agglomération GPS ? Je vous rappelle que la mise à disposition d'un agent oblige la collectivité d'origine à le rémunérer, ce dont elle est entièrement remboursée par la collectivité d'accueil. Je vous rappelle également qu'elle requiert l'accord écrit du fonctionnaire, l'information au conseil municipal. Force est de constater que ça n'a pas été le cas. Or, vous nous annoncez une demande de remboursement par le CNFPT à la ville de Corbeil-Essonnes. J'ai même cru comprendre que c'était un... Comment on appelle ça ? Une... Bon, vous nous direz le terme tout à l'heure, mais quelque chose de très fort juridiquement. Doit-on comprendre que GPS n'a rien versé ? Alors ça amène une cinquième interrogation. Pouvez-vous enfin nous expliquer la fin de la mise à disposition d'un agent communal par la communauté d'agglomération ? À toutes fins utiles, je vous rappelle ma lettre à votre adjoint délégué aux finances, à l'administration et au personnel, restée sans réponse depuis 3 mois. Et je vous rappelle également, Monsieur Renard, que vous deviez et que vous nous avez promis de nous communiquer le jugement du tribunal administratif de juin dernier. Nous l'attendons encore, depuis 3 mois. Et évidemment, je vous redis, la condamnation de la commune à réintégrer l'agent en question par le tribunal administratif, cette condamnation ayant été rappelée par le préfet, et que vous refusez toujours d'exécuter, alors que la précédente municipalité l'avait exécuté. Et donc, conséquence de 142 000 euros, eh bien, il faut que vous nous les expliquiez en répondant à ces cinq interrogations dont je vous communiquerai le texte tout à l'heure. Merci. Vous comprendrez, Monsieur Bell, que je ne vais pas improviser la réponse à ces questions. Elles vous seront fournies par écrit. Mais je peux tout de suite vous dire que nous n'avons pas encore payé, puisque c'était au moins la première question. J'y réponds tout de suite parce que là, je connais la réponse. Très bien. Je propose qu'on passe au vote. Donc, on passe au vote. Allez. De cette
Décision modificative numéro 2. Qui est contre? Le groupe de l'ensemble de l'opposition. Qui s'abstient? Personne. Oui. On fera passer. Merci. Et donc, tout le monde est pour. Merci, Sylvain. Allez, on avance. 2 provisions au budget. 4-2, donc. 4-2, hein, oui. 4-2. Il s'agit de la constitution de 2 provisions au budget principal. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser l'ordonnancement de ces 2 provisions pour un total de 411 597,56 €, qui se décompose comme suit. 333 364,48 € pour le remboursement éventuel des pénalités précomptées sur les 4 factures trimestrielles 2022 de la société NCA Corbeil, en application du marché de partenariat du nouveau centre administratif, et 78 233,08 € dans l'hypothèse de l'annulation par la trésorerie du titre exécutoire de recettes émis le 17 août 2022 à l'encontre de la société SCI Corbeil-Essonne, correspondant au recouvrement de la somme payée par la commune de Corbeil-Essonne pour le traitement des déchets situés sur les parcelles cadastrées, etc., 6 rue Decauville. Donc c'est une opération normale de comptabilité. Nous constituons simplement 2 provisions pour pouvoir répondre si nous avons besoin de cet argent. Monsieur, y a-t-il des questions? Monsieur Bell. Donc, vous demandez au conseil municipal de nous accorder, donc, d'accorder des provisions relatives à ces procédures. Donc, on est, sur le principe, ça ne devrait pas poser de problème. Pouvez-vous néanmoins nous communiquer à notre assemblée, donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, la liste complète des procédures qui concernent la commune, et dont j'ai effectivement évoqué la question que j'allais poser sur, à cet instant, dans les décisions du maire. Et également, nous souhaiterions que vous nous disiez pourquoi vous n'avez pas prévu de provision pour les autres procédures que les 2 présentées. Voilà. Bon. Voilà. Et j'insiste auprès de l'administration qui n'a pas loupé un mot de votre intervention pour qu'on vous communique tous ces documents. Il n'y a pas de problème. On passe au vote. Nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Non, vous inquiétez pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Merci, Sylvain. Frédéric Piau. Abstention de l'ensemble de l'opposition. Qui? Frédéric Piau. 4-5. OK. Lancement. La 4-3, non? Non. Annulé, non. 4-3. Non, 4-5. OK. Voilà. Lancement du marché de fourniture de divers véhicules neufs et d'occasion récentes pour les services de la ville. Voilà, donc comme le marché qu'on avait lancé en fin du premier semestre a été infructueux, donc on relance une procédure d'appel d'offres ouvert sur 5 lots, 6 lots en fait, non, 5 lots procédure d'appel d'offres ouvert pour essayer de trouver des véhicules, donc toujours neufs et d'occasion. Et au regard de son montant, le lot 6 du marché public précité peut être passé selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence. Donc vous avez les caractéristiques principales qui sont précisées dans la notice explicative. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver le lancement des 6 lots du marché public pour l'acquisition de divers véhicules d'occasion récente et d'autoriser Monsieur le maire à signer les marchés publics correspondants ainsi que tout document qui en serait la suite ou la conséquence. Y aurait-il des questions? Des questions, Monsieur Bell. Donc nous nous abstiendrons par principe à cause du fait que nous ne sommes pas dans la commission d'appel d'offres, mais nous vous rappelons que, enfin, nous vous demandons également dans cette, en regard de cette délibération et de la suivante, la liste de tous les véhicules municipaux, que vous avez forcément en registre. Donc, si vous voulez bien la communiquer... Avec grand plaisir. ...avec le reste dans le compte-rendu ce conseil. Super. Merci. Il n'y a pas de problème. Allez, qui s'abstient? Donc, l'ensemble de l'opposition, tout le monde, par ailleurs, est pour. Super. Frédéric, 4-6. Alors, motorisation 4-6. Électrique. Donc là, c'est le volet des véhicules électriques. Donc là, c'est un marché qu'on va attribuer pour une location.
Donc la présente délibération a pour objet l'attribution du marché public comportant un lot unique relatif à la location en longue durée de véhicules de type citadine à motorisation électrique pour les services municipaux de la commune de Corbeil-Essonnes. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution de ce marché public à l'entreprise Carrosserie Pro Auto située à Coignières et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'accord cadre correspondant. Y a-t-il des questions ? D'autres questions ? Il n'y en a pas. Qui s'abstient ? Tout le monde, vous vous abstenez comme sur l'autre ? Oui, cohérence. Tout le monde s'abstient dans l'opposition. Tout le monde est pour. Merci. Frédéric, merci. Martine Souavi, 5-2. Alors, c'est la délibération qui consiste à l'approbation de l'avenant numéro 1 à la convention d'intervention foncière entre l'établissement public foncier d'Île-de-France et la commune de Corbeil-Essonnes pour l'ancien site logistique Poudride et son périmètre jouxtant. Dans le cadre d'opérations de requalification et de restructuration lourde, la commune de Corbeil-Essonnes a signé une convention le 20 avril 2018 pour bénéficier de l'appui et du soutien financier de l'EPFIF pour la mutation de l'ancien site logistique Poudride, rue Émile Zola, devant accueillir le centre de maintenance et de remisage du STIF pour le TZN 4 ainsi que des logements. Cette convention arrive à échéance le 31-2020. Et il est alors proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer un avenant à la convention d'intervention foncière avec l'EPFIF, la prorogeant d'une année pour s'achever au 31 décembre 2023 afin de permettre la réalisation d'études de programmation et de réfléchir à un projet. Y a-t-il des questions ? Des questions ? Il n'y en a pas. Alors, qui s'abstient ? Qui est contre, tout le monde est pour. Merci, Martine. On va en sauter quelques-unes parce que, voilà, à moins que Sophia se dépêche. Mais en attendant, Martine, tu as la parole. Tu vas faire la 10-1, s'il te plaît. C'est l'approbation de la convention relative à la réduction des inégalités dans la pratique des activités physiques et sportives favorables à la santé. Une question de santé dans les territoires Terre de Jeux 2024. À toi, alors, Martine. Améliorer la santé des habitants passe par le développement d'une démarche de promotion de la santé et de prévention associant les personnes concernées. À cet effet, il est nécessaire que tous ceux qui souhaitent contribuer à cette démarche de promotion de la santé et de prévention sur notre territoire agissent ensemble. Il est également nécessaire que les actions de santé publique soient stables et pérennes. Dans ce cadre, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, l'Agence nationale du sport et Paris 2024 lancent un appel à manifestation d'intérêt à destination des territoires concernés par un contrat local de santé et labellisé Terre de Jeux, concernant la réduction des inégalités sociales de santé via la promotion de l'activité physique favorable à la santé auprès des publics qui en sont le plus éloignés. La commune de Corbeil-Essonnes a répondu à cet appel à travers son projet Sport Santé qui vise à mobiliser et fédérer les acteurs concernés par la promotion de l'activité physique sportive favorable à la santé. Il est dès lors proposé au Conseil municipal d'approuver la convention conclue avec les différents partenaires précités afin de permettre à la commune de bénéficier d'une contribution financière d'un montant de 110 094 € au titre de la période 2022-2024 et autoriser Monsieur le maire à la signer. Des avancées. Merci, Martine. Pas de remarques. Tout le monde est pour, j'imagine. Oui, merci. J'en profite avec Martine pour vous informer que notre directrice du Centre municipal de santé, qui travaille très bien avec Martine et toute notre majorité, a été promue et va recevoir l'Ordre national du mérite pour son travail fait avec notre équipe municipale dans le cadre notamment de la vaccination. Et donc on sera là quand elle recevra la médaille, mais c'est officiel, on peut applaudir Cécile Sinégué pour son travail. Merci. On va revenir à la 9-1 avec Sophia Louz, le versement d'une subvention exceptionnelle au profit de l'association du rugby A13, les Spartiates. Vas-y, Sophia. Oui, bonsoir. L'association sportive de Corbeil-Essonnes de rugby A13, les Spartiates, est une association qui utilise le rugby, ses valeurs d'unité et d'égalité, afin de développer et de fortifier le lien social. La commune de Corbeil-Essonnes souhaite soutenir cette association qui a sollicité une subvention exceptionnelle. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver le versement à cette association d'une subvention exceptionnelle de 5 000 €, d'approuver le contrat d'objectif correspondant et d'autoriser Monsieur le maire
à le signer, ainsi que tout acte en vue de l'exécution de la présente délibération. S'il y a des élus qui sont membres de cette, du conseil d'administration ou du bureau de cette association, je les invite à se manifester, à se retirer. Des remarques ? Y a-t-il des questions ? Tout le monde est pour... Ah, Monsieur Breton. Oui, juste une interrogation. Quand j'ai regardé les plis et j'ai participé à la commission, on avait évoqué l'association Sport pour tous avec une subvention de 10 000 euros et je vois qu'elle a disparu. Parce qu'il y a débat entre les membres de cette association et on tient compte de leur débat. Quand ils seront finis, on verra si il y a toujours lieu de verser cette subvention. Et là, on vote le rugby à 13, qui d'ailleurs, comme d'autres associations, ne font pas que du rugby à 13, absolument, mais une activité sociale et culturelle et de loisirs envers beaucoup de jeunes de nos quartiers, et on les remercie. Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Tout le monde est pour. Qui est contre ? Non, il n'y avait personne. Merci. Merci. Tout le monde est pour. Merci, Sophia. Monsieur Reynald Jourdain, à vous, 9-2. À présent, une délibération classique, mais néanmoins attendue et très utile pour les associations sportives. Versement d'acompte 2023 aux associations, approbation des contrats d'objectifs. Donc, dans l'attente du budget primitif 2023, on propose le versement d'acompte, donc une délibération qui concerne le versement d'acompte, notamment pour les associations sportives qui ont en leur sein des salariés, également les associations sportives qui reçoivent chaque année plus de 23 000 euros de subventions. Là, pour celle-ci, il faut conclure un contrat d'objectif. Donc, vous avez le contrat d'objectif également, un modèle dans la présente délibération. On vous propose, il est dès lors proposé au Conseil municipal de bien vouloir délibérer sur ce point. Et comme pour le point précédent, si des élus sont membres du conseil d'administration ou du bureau d'une de ces associations, je les invite à se manifester, à se retirer pour l'étude et le vote de ce point. Je sais que ça concerne certaines et certains d'entre nous ce soir. Donc on va déjà... Voilà. Du coup, je ne prendrai pas part au vote en tant que présidente de l'ACE Tennis. Voilà. Voilà, il n'y a que vous, je crois, à vérifier. Moi, ce sera, il ne faut pas que j'oublie, pour la 14-1, pour la MIV. Alors, sur cette délibération, y a-t-il des questions ? Tout le monde est pour ? Non, je procède au vote. Qui s'abstient ? Personne. Qui est contre ? Merci. Merci, Reynald. Après, il y en a des reportés. Je vais revenir, excusez-moi. À la 6-1, Monsieur Pio qui va nous présenter cela succinctement. Approbation de la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage de la commune de Corbeil-Essonne à la communauté d'agglomération Grand Périssud Seine-Essonne-Sénart pour l'aménagement des espaces publics de la voirie et des trottoirs de la rue du Trou-Patrix à Corbeil-Essonne. Donc c'est le petit bout de rue qui se trouve devant la halle, juste à côté, enfin coincé entre la halle et l'Essonne. Donc la présente convention a pour objet de transférer à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart la maîtrise d'ouvrage de la commune pour l'aménagement des espaces publics, de la voirie et des trottoirs de la rue du Trou-Patrix. Le détail des travaux à réaliser est le suivant, réaménagement d'espaces publics, rénovation de l'éclairage, réfection des revêtements, création d'espaces verts, remplacement du mobilier urbain. Pour ce faire, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage précitée et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Y a-t-il des questions ? Monsieur Breton. Oui, une question. La dernière fois, on avait retiré les frais d'études, 50 000 euros, je crois, sur la place du Comte-Aimont. Est-ce que ça va avoir un impact par rapport à ces travaux, sachant que les études doivent être réalisées au préalable ? Non, aucun impact. Je ne me rappelle pas de ça. Donc là, c'est en fait pour avoir un seul maître d'œuvre et une seule entreprise pour traiter l'ensemble de la place du Comte-Aimont. Parce que sinon, il aurait fallu qu'on fasse, nous, un marché juste pour ce petit bout, avec des possibles problèmes de coordination avec le marché global de la place qui commence par Grand Paris Sud. Voilà. Voilà. Donc ça ne change. Il n'y a aucun impact. On va juste leur transférer donc du coup un petit montant pour la maîtrise d'œuvre et un petit montant pour les travaux qui correspond à ce petit bout de place. Merci. Qui s'abstient ? Le groupe de Monsieur Bell. Qui est contre ? Personne d'autre. Tout le monde est pour. Merci Frédéric. Madame Lopez. Nous abstenons. Vous, tout le monde s'abstient pour l'opposition. Madame Lopez, la 10-3, la convention de partenariat
conclu. Oui. C'est bon. Allez, Françoise. Bonsoir à tout le monde. Voilà, l'objet, c'est l'approbation de la convention de partenariat conclue entre la commune de Corbeil-Essonnes et de l'Institut Le Valmande, mandé afin de pouvoir accueillir deux groupes de jeunes en situation de handicap pour effectuer des travaux d'entretien sur les espaces publics des parcs et jardins. En 2021, la commune de Corbeil-Essonnes et l'Institut Le Val-de-Mandé, structure qui accompagne des enfants et adultes. Tout le monde, t'as convaincu tout le Avant monde. Avant que j'ai fini. Oui, c'est vrai, voilà. Tout le monde est pour. Bon, c'est un renouvellement. Bravo, Françoise. Non, c'est bien, François. C'est bien la première fois que, dès premier le coup, on marque. Allez. C'est le but. Voilà, tu peux t'en féliciter. Merci. Tout le monde est pour. Merci beaucoup, Elsa. Tout le monde va être pour aussi, j'espère. Donc, nous lançons... Qu'est-ce qu'il y a? On peut peut-être écouter ce qu'une personne a à dire. Ah bah attendez, si Françoise veut continuer, elle continue, les amis, il n'y a pas de problème. Alors, certains élus souhaitent que Françoise continue. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Françoise, finis. Bon, je continue. Alors, durant l'année scolaire 2021 et 2022, 6 jeunes âgés de 12 à 17 ans ont été accueillis sous le statut de stagiaire au sein de services municipaux. Ils ont effectué une fois par semaine des travaux d'entretien du square d'Alimier. Le succès de ce partenariat nous conduit à le reconduire avec une nouvelle convention qui propose l'accueil dans les services municipaux de deux groupes composés de 7 et 8 jeunes. Dans ce cadre, une nouvelle convention avec l'Institut Val-de-Mandé doit être approuvée pour une durée d'un an, reconductible tacitement chaque année scolaire, sauf dénomination de l'une ou de l'autre des parties, il convient de préciser que cette nouvelle convention se substitue à la convention initiale précitée. À la demande, il est demandé au conseil municipal d'approuver cette convention et d'autoriser Monsieur le maire à la signer ainsi que toute pièce qui en serait la suite ou la conséquence. Y a-t-il des questions ? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Enfin, sauf si Fadila Chauffy a une question à poser. Après les réponses aux questions passées de vote, qui s'abstient ? Qui est contre ? Tout le monde est pour. Tout le monde est pour, alors. Merci. Adopté. Françoise. Adopté. Merci, Françoise. Elsa Touré. Et c'est donc un but pour la France et un but pour Madame Lopez. Bravo. Allez. Donc, nous votons le lot numéro 3, le lancement du marché pour le séjour hiver 12-17 ans relatif à l'organisation donc, du séjour été-hiver en centre de vacances pour les enfants et les jeunes de 4 à 17 ans révolus, sous la forme d'un accord cadre à bon de commande, sans montant minimum de commande et avec un montant maximum de 30 000 euros hors taxe. La durée allant de sa date de notification jusqu'au 31 mars 2023. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Tout le monde. Merci. Sophia, les acomptes aux associations non sportives. Versement des acomptes 2023 aux associations non sportives, approbation du contrat d'objectif. Dans l'attente de l'élaboration du budget primitif 2023, notifiant l'ensemble des subventions aux associations, il est nécessaire de voter le versement d'acompte sur subvention aux associations non sportives, partenaires de la commune, qui ont notamment des charges de fonctionnement et principalement des salaires à payer, conformément au tableau annexé de la délibération. Pour les associations recevant annuellement plus de 23 000 euros de subventions, il est nécessaire dès maintenant de conclure un contrat d'objectif dont le projet est également annexé à la délibération. Il est dès lors proposé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur ce point. Pareil, si des élus sont membres du conseil d'administration ou du bureau d'une de ces associations, je les invite à se manifester, à se retirer pour l'étude et le vote de ce point. Des remarques ? Donc ici, nous avons surtout... Moi, je ne participe pas au vote puisque je suis membre du conseil d'administration, tout ce voilà, de la MIV notamment. Alors, qui s'abstient ? Qui est contre ? Attendez, la MIV, on est plusieurs. Hein. Oui, oui, bah, tous ceux qui savent qu'ils sont membres de la MIV, ils ne votent pas, et voilà. Qui s'abstient ? Qui est contre ?
Tout le monde est pour. Merci. On vous redonnera précisément pour la NID, ceux qui, sont, qui n'ont pas voté. Ensuite, le point 14.2, versement d'une subvention exceptionnelle au profit de l'association Arc-en-Ciel. L'association Arc-en-Ciel ayant pour objet de resserrer les liens sociaux, de créer des projets à court et long terme et de favoriser les rencontres en extérieur, a sollicité auprès de la commune une subvention exceptionnelle afin de mener à bien ses actions, notamment le développement d'ateliers pour adolescents afin de prévenir le harcèlement et le cyberharcèlement ou d'en sortir le cas échéant. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver le versement à cette association d'une subvention exceptionnelle de 1 000 euros. Pareil, si des élus sont membres, qui se manifestent. Très bien, il n'y en a pas. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Tout le monde est pour. Merci, Sophia. Pareil, une subvention exceptionnelle pour Children's Zion. Au profit de l'association Children's Zion. Yes. C'est ça ? Zion. 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 Allez. Je ne suis pas très anglophone. Allons-y. L'association Children's Zion, ayant pour objet la lutte contre l'échec scolaire des enfants défavorisés par le biais d'actions pédagogiques dans diverses écoles ou associations, ayant vocation à être un support pédagogique aux élèves des classes du lycée Robert Doisneau, a sollicité auprès de la commune de Corbeil-Essonne une subvention exceptionnelle afin de poursuivre ses actions. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver le versement à cette association d'une subvention exceptionnelle de 1 000 euros. Y a-t-il des élus du conseil d'administration ? Non, il n'y en a pas. Qui donc, s'abstient ? Qui s'abstient ? Personne n'est contre non plus. Tout le monde est pour. Merci. Agir pour les Tarterets, Sophia. Versement d'une subvention exceptionnelle au profit de l'association Agir pour les Tarterets. L'association Agir pour les Tarterets, ayant pour objet de développer des actions citoyennes en direction des jeunes pour les accompagner et les impliquer dans la vie du quartier et ainsi contribuer au bien-être de tous, a sollicité auprès de la commune une subvention exceptionnelle afin de poursuivre ses actions citoyennes auprès des jeunes du quartier. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver le versement à cette association d'une subvention exceptionnelle de 1 500 euros. Si des élus sont membres du conseil d'administration du bureau, pareil, de cette association, je les invite à se manifester. Il n'y en a pas. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Qui s'abstient ? Qui Personne. Est contre ? Tout le monde est pour. Qui est pour ? C'est bon, tout le monde est pour. Merci. Ensuite, les locaux, Génération 91. Approbation de la convention de mise à disposition à titre gratuit d'un local municipal situé au 32 rue Gustave Courbet à Corbeil-Essonne au profit de l'association Génération 91. Dans le cadre du développement de la vie associative à Corbeil-Essonne, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la mise à disposition à titre gratuit du rez-de-chaussée du local situé au 32 rue Gustave Courbet à Corbeil-Essonne, d'une superficie de 550 mètres carrés au profit de l'association Génération 91 et d'utiliser Monsieur le maire et d'autoriser, pardon, Monsieur le maire à signer la convention correspondante. Pareil, si des élus sont membres du conseil d'administration ou du bureau, je les invite à se manifester. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Qui s'abstient ? Personne. Qui est contre ? Qui est pour ? Tout le monde, merci pour cette association et toute son activité. On en a une petite dernière, c'est la 6-2 avec Frédéric Piau. Voilà, donc ça concerne le lancement du marché public de fourniture et d'installation d'équipements ludiques sur la commune de Corbeil-Essonne. Les prestations portent sur la création de nouvelles aires de jeux à usage collectif, le remplacement des équipements existants, l'amélioration et ou la modernisation des aires ludiques existantes. Compte tenu du coût prévisionnel des achats réalisés, il est nécessaire de recourir à une procédure d'appel d'offres ouverte comprenant deux lots. Vous trouverez le détail des installations de l'accord cadre dans la notice explicative. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver le lancement de cette procédure d'appel d'offres ouvert et d'autoriser Monsieur le maire à signer les accords cadres correspondants. Y a-t-il des questions ? Madame Garcia. Évidemment, nous allons voter cette délibération. Mais je me rappelle un conseil municipal, Monsieur le maire, oui, où vous étiez montré très, très critique sur les aires de jeu de la ville de Corbeil-Essonne, comme si nous n'avions, nous, la précédente majorité, rien fait du tout. Et j'ai été un peu piquée au vif parce que je me suis battue pendant une mandature, au moins, en tout cas, pour obtenir des budgets pour les aires de jeu de la ville.
Alors, j'ai exercé mon droit de recensement, je dirais. Et on en a fait beaucoup, monsieur le maire. Le parc Chantemerle, par exemple. Hein, la rive droite, l'aire de jeu de Maurice Riquiez. On a créé le square Roger avec une très jolie aire de jeu. On a créé l'aire de jeu des Coquibus, qui est une aire de jeu d'ailleurs pour handicapés aussi. Hein. On a créé l'aire de jeu du square Crété, l'aire de jeu de Moulin Galant, celle du parc de Robinson, etc., etc. Donc nous ne sommes pas restés inactifs sur la création des aires de jeu. On peut toujours trouver que c'est insuffisant, mais nous en avons fait beaucoup. Et d'autant plus que les aires de jeu ont un coût important, il faut savoir que c'est à peu près 100 000 euros. Et vous aviez aussi parlé, monsieur le maire, d'un entretien défaillant. Et nous avions à l'époque une entreprise, un marché passé avec une entreprise qui s'appelait Récréaction, qui était défaillante sur certains points. Et je pense que vous avez dû relancer des marchés. Et je ne pense pas que vous ayez repris la même entreprise, puisqu'elle était un peu défaillante. Mais nous avions aussi un entretien qui était effectué par, je me rappelle avoir donné des consignes très strictes, il y avait Récréaction qui s'occupait théoriquement de l'entretien des aires de jeu, entretien un peu technique, et nous avions la propreté urbaine qui était chargée de nettoyer les aires de jeu. Donc voilà, je voulais faire cette petite mise au point, parce que nous ne sommes pas restés inactifs sur le sujet, je vous dis. Voilà. Très bien. Et voilà. Bah écoutez, malgré cela, la population non reconnaissante ne s'en est pas rappelée il y a 2 ans au moment des élections, on en est désolé. Et donc, merci pour ce marché. On aime les enfants, on aime les jeux. Il y en aura beaucoup plus à l'avenir à Corbeil-Essonne. Alors, il faut voter. Il faut voter. Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Tout le monde est pour. Vous abstenez, monsieur Bell ? Pardon ? Et alors, vous vous abstenez. Vous aussi, cohérent, vous abstenez, c'est un marché public ? Vous êtes pour les jeux d'enfants ? Vous êtes pour. Donc il n'y a que le groupe de M. Bell qui s'abstient. Merci. Écoutez, nous en avons terminé avec ce conseil municipal. On a reçu des questions, on y répondra la prochaine fois parce qu'elles sont arrivées après le délai réglementaire. Eh bien si. Et donc, on vous souhaite bonne soirée. Non, monsieur le maire, le délai, c'est 48 heures avant la tenue du conseil. Vous regardez. Je suis désolée. Et donc, bonne soirée, vous faites bien ce que vous voulez ce soir. Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 8 février. Nous avons adressé les questions dans les délais. Bonne fête de fin d'année. C'est anormal. Merci à vous. Comme les... Ça, voilà la démocratie que vous mettez à Corbeil-Essonne. Nos questions ont été envoyées en temps et en heure. C'est inadmissible qu'elles ne soient pas traitées. Tout ça pour aller regarder un match de foot que vous êtes censé boycotter. Monsieur Picard.